Alors, bonjour à toutes et à tous, et merci d'être venus participer à cette matinée de travail et de réflexion sur les enjeux de la formation des responsables agricoles en Bourgogne-Franche-Comté. Alors, des enjeux qui sont importants, on imagine, hein, parce que voilà, ces responsables agricoles qui, par ailleurs, sont souvent, la plupart du temps, même exploitants agricoles, doivent acquérir, dans le cadre de leurs fonctions respectives, doivent acquérir un certain nombre de compétences. Certains les ont, certains ne les ont pas. Donc tout ça se travaille parce qu'ils peuvent être confrontés à des dossiers parfois très complexes à traiter. On va essayer donc tout au long de cette matinée avec nos différents intervenants de comprendre un petit peu quels sont les enjeux en place, mais de comprendre surtout d'avoir peut-être un aperçu, un passage en revue de ce qui existe déjà, parce que beaucoup de dispositifs de formation sont déjà existants et parfois mal connus simplement, donc d'où la nécessité de reprendre les choses à la base et peut-être de communiquer sur ces différents dispositifs. Je ne vais pas être plus long dans mon propos introductif. Moi, je suis juste, j'ai oublié de me présenter, mais je suis Bertie Robert, je suis rédacteur en chef d'un hebdomadaire qui s'appelle Terre de Bourgogne et qui traite de l'actualité agricole. Et donc, je vais céder la place tout de suite à François Rochebrun, qui est le directeur général de l'Institut Agro-Dijon, qui nous reçoit donc aujourd'hui. Je vous prie de venir... nous rejoindre sur la scène, monsieur Rochebrun. Vous pouvez prendre un micro et puis vous allez introduire cette matinée. En tout cas, je suis ravi et heureux de vous accueillir tous à la fois ici dans cet amphithéâtre Chausson, qui est aussi un plateau télé, et puis également à distance ceux qui nous suivaient par écran interposé. Je voudrais saluer tout particulièrement Christian De Serles, qui est le président de la Chambre régionale d'agriculture et puis qui est aussi administrateur de l'Institut Agro-Dijon. Je voudrais saluer aussi Nicolas Sauré, qui est vice-président au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Saluer aussi Stéphane Rousseau, qui est le président de l'IFOCAP, pardonnez-moi de m'égayer sur votre organisme. Et puis, et effectivement, aussi saluer le président des jeunes agriculteurs de qui étaient aussi parmi nous. Bon, je voudrais dire quelques mots d'abord sur l'Institut Agro et la raison pour laquelle nous vous accueillons. Nous sommes une nouvelle grande école créée par regroupement de deux écoles agro au départ, Rennes, Angers et Montpellier, que Dijon a rejoint au 1er janvier 2022, tout récemment. Et cette création de ce nouvel établissement, elle marque un tournant historique en dotant en quelque sorte la France d'un établissement de premier rang sur les questions d'agriculture, d'alimentation et d'environnement. Notre nouvel établissement possède des atouts uniques pour relever les défis sociétaux de l'urgence climatique, écologique et alimentaire, questions qui ont été accentuées par les crises sanitaires, par la guerre en Ukraine et les enjeux de souveraineté alimentaire. La réponse à apporter à ces enjeux est de plus en plus complexe, car ces réponses ne peuvent pas être abordées séparément. Elles nécessitent des approches intégrées, systémiques, multi-échelles, multi-acteurs et participatives pour développer des solutions durables. Donc nous formons des ingénieurs, des cadres, des chercheurs et des techniciens, et tout cela dans une formation qui est couplée avec une recherche de haut niveau. Tout cela, c'est des leviers essentiels de changement pour sensibiliser, engager et accompagner les acteurs des territoires, des filières et des politiques au confluent de ce qu'on appelle les transformations agroécologiques, alimentaires et numériques. Dans ce contexte, en quelque sorte, d'urgence, il s'agit d'inventer, d'innover pour mieux nourrir le monde en agissant avec et pour le vivant. Et l'enjeu est d'accélérer ces transformations systémiques dans l'agriculture, l'alimentation et l'environnement vers des systèmes nourriciers résilients. Alors, une des préoccupations scientifiques propres à la recherche du site dijonnais consiste à repenser l'articulation des échelles territoriales. Quelle échelle pertinente pour conduire des politiques pour le développement territorial durable ? Comment intégrer les démarches participatives dans l'action publique? L'enjeu est de repérer les systèmes étudiés, les nœuds pour les articulations de ces échelles, mais aussi pour faciliter les transferts de connaissances.
nos enseignants-chercheurs de l'Institut Agro-Dijon, et en particulier ceux qui sont dans l'unité mixte de recherche Centre d'économie et de sociologie appliquée aux espaces ruraux, sont reconnus pour leur expertise dans l'analyse et l'évaluation des politiques publiques dans l'économie et la sociologie. Ils ont ainsi conçu, à la demande du président Christian de Serles, une formation pour permettre aux responsables et représentants de l'agriculture de renforcer et d'affirmer leur posture de leadership dans une société de grandes transformations. L'enjeu que nous devons relever est bien d'aider les chefs d'exploitation agricole à être mieux formés pour faire face aux défis actuels et que la voix du monde agricole soit portée dans sa richesse et sa diversité auprès des différents décideurs. Vous devez en quelque sorte être préparé à travailler sur les controverses qui animent les débats de notre société tout en étant solide et serein. La formation tout au long de la vie est nécessaire et je dirais qu'elle est indispensable et particulièrement dans les métiers de l'agriculture, en particulier pour alimenter la dimension humaine qui nous anime et vous soutenir dans votre engagement au service de la société. Et je vais conclure mon propos en citant l'abbé Pierre parce que je trouve que la phrase qu'il dit correspond à ce dont on a besoin aujourd'hui. La première règle avant d'agir consiste à se mettre à la place de l'autre. Nulle vraie recherche du bien commun ne sera possible hors de là. Merci beaucoup François Rochebrune. Je vais vous demander de quitter la scène juste par le côté jardin, comme on dit par là. Merci à vous pour ce propos introductif. Et je vais donc demander à me rejoindre sur scène, Christian de Serles, président de la Chambre régionale d'agriculture, mais également Stéphane Rousseau, président de l'IFOCAP, Florent Point, président des JA de Bourgogne-Franche-Comté, et Nicolas Sauré, vice-président du Conseil régional. Voilà, je vais vous proposer de prendre place pour poursuivre dans l'introduction de cette matinée. Peut-être avec vous, Monsieur de Serles, en premier lieu. Asseyez-vous, prenez place. Voilà, vous avez des sièges à votre disposition. Et on va commencer avec vous, Christian de Serles. Très bien. Bon, on va s'inspirer de la pensée de l'abbé Pierre, alors, qui nourrira notre réflexion toute cette matinée. Merci beaucoup, François, de nous accueillir dans ces locaux de Institut Agro-Dijon. C'est ça, aujourd'hui, la formule. Merci à vous, à toute votre équipe, aussi à vos techniciens qui ont mis cette salle à disposition, ce qui permet à certains de pouvoir suivre cette matinée à distance. Un petit clin d'œil à Pierre Pellerin qui nous accompagne aussi dans cette réflexion. Alors je sais que bon, il faut peut-être pas perdre trop de temps en formule protocolaire, mais permettez-moi de remercier chacune et chacun d'entre vous d'avoir fait le choix de venir ici ce matin physiquement. Je pense que même la possibilité de suivre des travaux à distance, si elle est intéressante, n'empêche pas l'intérêt des contacts humains d'une matinée comme aujourd'hui et le partage en direct d'expériences, de visions, de confrontations de points de vue. Donc merci d'être venu et d'avoir fait cette matinée dans votre emploi du temps une priorité. Merci aussi à celles et ceux qui ont œuvré pour préparer cette matinée, qui ont investi beaucoup de temps et d'énergie. Puis peut-être un merci particulier aux témoins qui interviendront tout au long de la matinée. Alors à ceux qui sont à distance, Dominique notamment, Pierre-François, non c'est ça ? François-Étienne, pardon. Je connais moins la nouvelle génération. Voilà. Le vice-président Nicolas Sauré, qui nous le dira sans doute lui-même, mais très engagé dans une journée ô combien agricole aujourd'hui. Et je pense que ce témoignage pourrait être extrêmement intéressant en nous montrant à quel point les choses se construisent aussi avec la volonté des hommes et des femmes et que tout ne tombe pas d'en haut, qu'il faut aussi être des acteurs. Voilà, et puis ça me fait plaisir que Stéphane soit avec nous. Tout le monde connaît Stéphane, le responsable agricole éleveur de la Nièvre, mais ici aujourd'hui en tant que président de l'IFOCAP, je salue aussi son directeur, et c'est bien que l'IFOCAP soit aussi dans cet établissement d'enseignement supérieur, avec l'idée peut-être de pouvoir co-construire un programme le plus judicieusement élaboré au service du monde agricole. Puis je fais un clin d'œil au patron des jeunes agriculteurs de cette région, qui, avec Jessica, sont très attachés aussi à la formation des jeunes responsables agricoles. Voilà, ces quelques mots étant dit, pourquoi cette matinée ?
On vit les uns les autres dans un tourbillon d'activités qui vont d'urgence en urgence. De temps en temps, il faut quand même aussi prendre le temps de s'arrêter, de se poser et de ne pas perdre de vue ce qui reste des valeurs fondamentales. Et je pense que pour le monde agricole, pour les organisations professionnelles, pour les représentants de ce secteur, le sujet de la formation vaut, me semble-t-il, de temps en temps qu'on prenne le temps de s'arrêter un peu, de faire un peu un état des lieux, des forces et des faiblesses, et peut-être de se dire comment est-ce qu'on peut redonner une nouvelle dynamique, un nouveau souffle. Je crois que le monde agricole auquel nous sommes tous les uns les autres profondément attachés est sans doute aujourd'hui partagé entre sans doute beaucoup d'espoir, mais aussi, on ne peut pas le cacher, souffre quand même aussi d'inquiétude, d'incertitude. Ces dernières années auront quand même été marquées par des rendez-vous qui sont traumatisants pour le secteur professionnel. Je pense par exemple à cette crise sanitaire de l'ESB qui a probablement généré une rupture de confiance entre le monde agricole, l'agriculture et la société, sur fond aussi de messages autour de la malbouffe, sur des sujets tels que la destruction d'essais scientifiques pourtant et la volonté de recherche, où le monde agricole a été assez déstabilisé par des attitudes comme celle-là qui interpellent, qui interrogent, et pour lesquelles on se demande ou on se dit il y a une relative acceptation. Enfin, bref, il y a eu ces dernières années quelques rendez-vous assez déstabilisants pour le monde agricole. Bon, à ça, plus récemment, se sont encore porté des attaques contre la profession, maltraitance animale, pollution de l'eau, des terrains. Enfin, je pense qu'il y a eu de nombreuses critiques qui ont vraiment blessé le monde agricole et dont certaines, en tout cas, ne sont peut-être pas fondées ou mériteraient peut-être plus de nuances dans la propos. On ne peut pas ignorer non plus que de crise en crise, certains secteurs de l'agriculture ont des revenus extrêmement fragiles qui placent les familles d'agriculteurs dans des situations chargées de beaucoup d'incertitudes. On en parle peu parce qu'il y a une certaine pudeur, mais ne perdons pas de vue que c'est une profession dans laquelle il y a beaucoup trop de suicides et que c'est quand même un signal particulièrement préoccupant. S'ajoute dans toute cette liste des rendez-vous compliqués le changement climatique qui interpelle ce secteur professionnel encore plus durement sans doute que d'autres. Voilà pour ce qu'est la liste des inquiétudes auxquelles s'ajoute le renouvellement des générations. Le constat est fait. Qui prendra la relève? Qui assurera le nombre de bras et de têtes nécessaires pour maintenir à ce niveau l'appareil de production? Voilà un certain nombre de questionnements que le monde agricole se pose. En face, je pense que nombreux sont les agriculteurs qui, dans leur exploitation, restent quand même, malgré tout, confiants parce qu'ils aiment leur métier, parce qu'ils sont attachés à leur territoire, parce qu'ils sont attachés à leur exploitation, à leur production. Parce que de génération en génération, ils ont mis une telle dynamique, un tel enthousiasme pour faire perdurer, pour conforter, pour faire rayonner individuellement chez eux et collectivement cette profession. Et je pense qu'on nous invite quand même à assurer la souveraineté alimentaire de notre pays. On sait par ailleurs que si la France a la chance d'accueillir autant de touristes, la main du paysan n'y est pas étrangère par la beauté de nos territoires, leur capacité à rester accueillant, par une gastronomie de haut niveau qui ne serait pas possible sans, à la base, des producteurs pour mettre dans les mains des grands chefs les produits élitistes dont ils ont besoin pour que la France rayonne sur sa gastronomie et sur ses vins.
Voilà, je pense que pour toutes ces raisons-là, les paysans, au fond d'eux-mêmes, se disent, quelle que soit la violence des attaques dont on fait l'objet, notre profession est incontournable et quelles que soient les difficultés, on trouvera des solutions. J'aime bien cette formule, devant la difficulté, certains cherchent des coupables, d'autres cherchent des solutions. Je pense que chacune et chacun de ceux qui sont ici ce matin sont plutôt dans le camp de ceux qui, coûte que coûte, veulent trouver des solutions face aux difficultés auxquelles on est confronté. Sauf qu'en agriculture, les solutions sont rarement la route de la solitude et de la défense de sa seule stratégie personnelle. Notre profession se caractérise par des valeurs de mutualisme, de solidarité, d'organisation collective. C'est quand même chaque fois que le monde paysan a recherché ses solutions dans une dynamique collective et de collaboration qu'il les a le mieux trouvées. Et je pense que ces valeurs que les paysans ont su faire perdurer aujourd'hui, notamment face à tous ces enjeux, face à cette complexité du renouvellement générationnel, doit peut-être nous rappeler que le collectif laisse sous-entendre aussi que pour l'animer, le faire vivre, il doit être animé par des gens engagés et armés pour réussir. Et où qu'on soit sur la planète, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour l'agriculture s'il n'y a pas de vraie politique publique, ambitieuse, clairvoyante, qui résiste dans le temps. C'est vrai au niveau européen, c'est vrai au niveau national, c'est aussi vrai à l'échelon régional. Et je pense que l'espace régional est un véritable espace qui peut donner sur un territoire une impulsion. Mais pour co-construire des politiques publiques ou pour qu'un secteur professionnel exprime sa voix, sa vision et ses idées pour nourrir la pensée et peut-être l'arbitrage de décideurs, encore faut-il que sa pensée soit claire, qu'il l'apporte efficacement, avec précision, avec lucidité, mais aussi avec une grande capacité, une grande détermination, une capacité à convaincre, parce que c'est pas si facile. Et on peut être un très bon éleveur, un bon vigneron, un bon céréalier. Les établissements d'enseignement supérieur ont pu nourrir et armer des jeunes agriculteurs et leur environnement. Être un responsable agricole et jouer à armes égales avec un décideur politique, administratif, ça demande une posture que l'enseignement agricole classique ne transmet pas forcément naturellement. Et c'est tout le sens de cette matinée de ce matin, c'est de remettre sous le feu des projecteurs l'intérêt de la formation de responsables agricoles. C'est peut-être redonner une dynamique pour susciter la volonté de s'engager. Le monde paysan a été extrêmement influent auprès des assemblées nationales, du Sénat, dans les conseils départementaux, dans les conseils régionaux, dans les municipalités. Mais l'évolution du nombre d'actifs agricoles que les recensements généraux de l'agriculture nous rappellent de façon extrêmement cinglante fait que le monde agricole est quand même moins présent donc potentiellement moins influent. Et je pense que l'heure n'est pas à se laisser aller. Il y a un réel potentiel, et notamment chez les jeunes agriculteurs. Il y a de la combativité. Mais je pense qu'il faut prendre le temps, peut-être, de resensibiliser au sujet de la formation. Et même si ça apparaît un engagement un peu coûteux, qui demande un effort, ça vaut le coup. Dans nos métiers, on sait plus que dans d'autres que pour récolter, il faut d'abord travailler la terre, prendre du soin, semer, et puis espérer qu'il n'y ait pas trop d'aléas pour engranger une belle récolte. Je pense qu'en matière d'organisation collective, il faut donner les moyens à des hommes et à des femmes d'être mieux armés
pour non pas subir leur destinée, mais être des acteurs déterminants et influents pour l'organiser. Merci Christian De Serles. On va passer à vous Stéphano Rousseau, vous êtes président de l'IFOCAP, donc un centre de formation pour les acteurs du monde agricole et rural. J'imagine que cette matinée elle a une résonance particulière pour vous. Bien, ben, oui, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bon, c'est un grand plaisir, c'est avec grand plaisir qu'au titre de l'IFOCAP j'ai répondu à cette invitation. Et puis je veux tout de suite aussi avoir salué tout particulièrement, avoir un clin d'œil pour deux de mes prédécesseurs présidents de l'IFOCAP, que sont Dominique Barraud et Christian De Serles. Qui sont avec nous aujourd'hui. Et donc c'est un vrai plaisir d'être là avec eux, à leur côté, sur cette conférence. Alors, à vos côtés dans cette démarche qui cherche, comme l'a dit Christian, à redonner un nouveau souffle à la formation de responsables dans cette région de Bourgogne-Franche-Comté, en faisant cela, en étant là, je ne fais finalement que participer à la mission qui est celle de l'IFOCAP depuis 63 ans. L'IFOCAP est une école de responsables. Elle a été créée par les jeunes agriculteurs, des jeunes agriculteurs qui étaient animés d'une grande ambition. Ils voulaient transformer l'agriculture pour lui permettre d'entrer dans la modernité. Cette agriculture dont il souffrait de voir se succéder finalement les générations, les unes après les autres, sans que jamais rien ne change. C'était toujours les mêmes misères, toujours la même rudesse des travaux manuels, la même dépendance aux aléas, la même promiscuité et absence de vie, de confort dans la vie familiale, et puis aussi des vies intimes et personnelles qui étaient sous le contrôle permanent de leurs parents. Et si les jeunes agriculteurs des années 50 étaient animés de cette volonté farouche de transformation, ils étaient aussi parfaitement humbles et lucides sur leur capacité à conduire ces changements. La plupart d'entre eux avaient quitté l'école très tôt, très jeune, et ils avaient bien conscience qu'ils n'étaient pas outillés pour tenir leur rang face à toutes les parties prenantes de l'agriculture. Il fallait pour eux obtenir des dirigeants politiques, il fallait obtenir de l'administration, de leurs directeurs dans les organisations, il fallait même obtenir de leurs parents. En cela, ils attendaient de la formation qu'elle les aide à conquérir de nouveaux espaces de liberté. Mais ils attendaient aussi de la formation en général et de l'IFOCAP, en particulier qu'il leur donne la possibilité de disposer de temps pour confronter leurs engagements et leurs aspirations. Du temps pour approfondir leurs convictions au regard de ce qu'étaient les évolutions du monde et puis à partir de ce qu'était une certaine vision qui était la leur de l'homme et de la société. Et puis il fallait aussi du temps pour être capable de débattre et de construire avec des interlocuteurs d'horizons divers. C'est sur la réponse à ces besoins qu'ils ont créé l'IFOCAP et qu'ils ont mis sur pied le fort bien nommé stage de longue durée, puisqu'il s'étendait à l'époque sur une durée de 3 mois. Notre stage Oméga, qui est aujourd'hui beaucoup plus court, puisque c'est un stage de 24 jours, 25 jours, en est aujourd'hui le lointain descendant. Le contenu de nos formations se veut universitaire. C'est-à-dire qu'on doit embrasser tous les domaines de connaissances qui sont nécessaires à la complétude de la personne, au développement de toutes les exigences et dimensions de la personne humaine, pour un engagement qui soit solide, qui soit efficace et qui soit épanouissant. En synthèse, ce qui caractérise aujourd'hui l'IFOCAP, c'est des formations qui ont la durée nécessaire aux apprentissages, c'est le caractère universitaire de leur contenu, et c'est aussi la dimension de laboratoire de l'engagement et de la responsabilité qu'est l'IFOCAP. Mais il y a une quatrième spécificité sur laquelle il me faut m'arrêter, c'est la mise en œuvre d'une pédagogie de l'action. On ne se forme pas, on ne vient pas se former à l'IFOCAP simplement pour enrichir un bagage personnel. On se forme pour agir dans le cadre d'un collectif. En cela, nos formations s'efforcent de s'adapter au plus près de ce qu'ont déjà vécu les stagiaires et aussi de ce qu'ils peuvent être amenés à faire dans le futur. La formation à l'IFOCAP est tout entière axée sur l'analyse de la réalité, sur la recherche de solutions, sur la maîtrise de l'action concrète et sur le sens des responsabilités. L'IFOCAP s'adresse à toutes celles et tous ceux qui, étant aux prises avec l'action, éprouvent le besoin de se perfectionner, de réactualiser leurs connaissances, d'acquérir aussi des données que l'expérience seule ne permet pas d'acquérir. Nos formations doivent toujours déboucher sur de l'action.
sur des tâches qui sont réalisables, qu'on peut mettre en œuvre rapidement, en tenant compte de la réalité qu'on aura auparavant rigoureusement analysée. Nos formations sont aussi enfin tournées vers toute l'organisation professionnelle. Le syndicalisme, la coopération, la mutualité, le crédit, les chambres d'agriculture, les associations de développement. Parce que la vie professionnelle agricole, c'est un tout. Alors, au travers de ce rappel de nos origines et de nos valeurs, je veux insister sur le fait que la formation, c'est aussi d'abord un exercice d'humilité. Que cette humilité est là encore aujourd'hui très nécessaire. Très rares sont les agriculteurs qui, quelle que soit leur formation initiale, sont en mesure de relever les défis qui sont ceux de l'agriculture contemporaine sans avoir eu la formation adéquate. En effet, qui peut relever seul et sans formation les défis des éco-transitions, au premier rang desquels la question du réchauffement climatique, de la biodiversité, de la conservation des sols, les défis posés par le renouvellement des générations, mais aussi par la reconquête et le partage de la valeur de production dans l'organisation des filières. Les agriculteurs sont aussi confrontés à des défis liés à la production d'énergie, aux nouvelles technologies, la question des data, de la blockchain, des start-up, enfin de toutes ces nouvelles technologies. Les défis aussi que pose une société dont la relation au vivant est en constante évolution et qui se heurte frontalement aux valeurs qui sont les valeurs agricoles et les valeurs des paysans. Mais il y a aussi le défi du management des organisations. Et puis plus récemment, nous avons aussi de nouveaux défis au travers d'un contexte financier qui change. Nous entrons dans une période d'inflation. Plus aucun agriculteur en activité aujourd'hui n'a exercé son métier en période d'inflation, de hausse des taux. Et tout ça, ça crée de nouveaux défis qu'il va falloir surmonter. Les exemples que je prends là sont là pour illustrer que le contenu de nos formations se renouvelle sans cesse, au rythme du renouvellement des défis qu'ont à relever les agriculteurs. Et la formation est là pour apprendre la lecture patiente des faits, la connaissance la plus approchée des réalités, la volonté lucide de s'engager et d'agir pour créer dans le concret des situations particulières. En cela, je suis très attaché à notre raison d'être, qui n'est pas nouvelle à l'IFOCAP, mais que l'on perpétue. L'IFOCAP est là pour former des hommes et des femmes d'action capables d'agir sur les problèmes de leur temps. C'est dans cet esprit que nous aurons plaisir à vous accompagner, plaisir à être associé pour ce faire à l'Institut Agro-Dijon, qui, comme nous le faisons ailleurs en France, apportera des savoirs universitaires que nous n'avons pas en interne. Quant aux agriculteurs, ils doivent être conscients qu'ils exercent un métier essentiel. Un métier qui est au carrefour de tellement d'attentes de la société et de la vie des gens. Un métier qui nourrit, bien sûr, mais aussi un métier qui détient des solutions face aux problèmes environnementaux, l'air, l'eau, la biodiversité, les sols, les paysages, l'énergie et bien d'autres. Les agriculteurs doivent être conscients qu'ils sont attendus sur ces questions, qu'ils ne peuvent pas se dérober et qu'ils ne pourront pas les aborder seuls. Nous devons, nous tous ici, les convaincre d'agir collectivement. Nous devons les convaincre que leur vie sur Terre ne peut pas être seulement consacrée à leur satisfaction, à la satisfaction de leurs besoins personnels. Qu'ils ont quelque chose de plus grand à réaliser, quelque chose qui relève du dépassement de soi, de la responsabilité personnelle. Et cette responsabilité personnelle, cet appel au dépassement de soi, c'est le rôle de la formation que de sans cesse l'éveiller, que de sans cesse la nourrir et la fortifier. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup Stéphane Rousseau. On va poursuivre avec vous Florent Point. En tant que président des JA de Bourgogne-Franche-Comté, les jeunes agriculteurs, forcément, ils sont à l'aube de leur vie professionnelle, mais ils sont aussi potentiellement à l'aube de la prise de responsabilité dans les instances agricoles. Donc là encore, pour vous, c'est un enjeu important. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Merci déjà d'avoir fait l'effort de participer à cette matinée. C'est très important pour nous. Et puis je m'associe évidemment à tous les propos qui ont été tenus avant par Christian et par Stéphane sur voilà le contexte et sur voilà sur tous les enjeux. Je voulais remercier aussi l'Institut Agro. Il faut qu'on s'habitue au nouveau nom, mais remercier l'Institut Agro de nous recevoir ici dans ces locaux. Ça faisait d'ailleurs un petit moment que j'étais pas venu et toujours un plaisir de revenir vous voir.
Non, mais voilà, le principe, peut-être faire un mot déjà, dire un mot sur les jeunes agriculteurs, ça a été déjà un petit peu abordé. Notre dossier principal et notre raison d'être, c'est vraiment de travailler sur le renouvellement des générations. Et comme ça a été dit, le défi du renouvellement des générations est aujourd'hui un enjeu de plus en plus majeur au vu de la démographie agricole dans notre région, dans nos départements, mais aussi plus largement à l'échelle nationale. Je pense que François-Étienne pourra d'ailleurs en dire un mot tout à l'heure. Aujourd'hui, on voit bien que le nombre d'actifs agricoles s'étiole. On a de moins en moins d'agriculteurs sur nos territoires. Et de ce fait, on a de moins en moins de responsables agricoles qui s'engagent pour porter la voix de ce monde agricole. Donc c'est un petit peu un cercle vicieux où finalement, on a de plus en plus besoin d'avoir des responsables qui sont là pour défendre et porter la voix du monde agricole et travailler à sa pérennité. Et le fait de ce nombre qui décroît, nous engage dans cette réflexion-là. Donc voilà pour le contexte et voilà un petit peu les raisons qui ont toujours fait, et ça a été dit avant, que les jeunes agriculteurs ont toujours eu à cœur de porter la formation des responsables très haut en couleur. Et voilà, et donc pour nous, la première des choses, je pense, et c'est de notoriété assez répandu. La première école de responsables qu'on connaisse pour les agriculteurs, c'est avant tout le syndicat des jeunes agriculteurs. Enfin, je pense que voilà, certes, on est nombreux dans la salle aujourd'hui à être des responsables agricoles, et je pense qu'une grande majorité d'entre nous sont passés par la case jeunes agriculteurs pour commencer une responsabilité, pour commencer d'appréhender un petit peu le monde agricole autour des exploitations, et voilà, et on est vraiment très attaché à garder ce rôle de première école de responsable qui nous colle à la peau et qui nous va très bien. Et puis effectivement, ça a été dit aussi, pouvoir prendre des responsabilités, ça demande un certain nombre de compétences qui ne sont pas toujours naturelles et qu'il faut qu'on arrive à acquérir. Et du coup, en région Bourgogne-Franche-Comté, on a fait le choix il y a déjà quelques années, une petite quarantaine d'années, 38 ans exactement, de créer une formation de responsable pour défricher un petit peu ce que c'est que l'engagement. Voilà, ce sera présenté un peu plus dans le détail tout à l'heure, mais notre formation, qui est passée par plusieurs noms, mais qui est toujours restée à peu près la même, Avenir Formation, c'est vraiment une grande fierté pour nous, et elle permet vraiment d'acquérir les premières armes nécessaires pour entrer en responsabilité et pouvoir porter correctement la voix des agriculteurs qu'on représente. Mais là, je vais peut-être... à l'image de mes prédécesseurs, prendre aussi quelques exemples pour étayer un petit peu les enjeux de cette matinée et puis notre investissement dans ce dossier-là. Ça fait quand même quelques années que je suis investi aux jeunes agriculteurs et notamment au niveau régional. J'ai d'ailleurs fait mes débuts avec un gars qui est dans la salle, Samuel, que je remercie d'ailleurs et que je salue. À l'époque, je suis arrivé à Jeunes Agriculteurs de Bourgogne. Et donc je suis arrivé en 2014 et j'ai connu du coup ce que c'était que l'échelon régional et l'engagement qu'on avait au niveau régional à cette époque-là. Et j'ai vu du coup cette évolution depuis 2014, avec notamment l'arrivée de la loi NOTRe et la réforme des compétences et le gonflement des compétences, en tout cas sur les dossiers économiques et agricoles au niveau régional, avec la fusion des régions en plus, l'agrandissement des territoires et l'agrandissement des enjeux, ça a fait que finalement on en a demandé toujours un petit peu plus à cet échelon régional. Et voilà, on a dû forcément travailler pour se mettre un petit peu au niveau de ces enjeux-là. Et de ce fait,
On voit bien, avec l'étiolement du nombre de responsables et avec l'élévation du niveau qu'on attend, je ne me considère pas comme quelqu'un ayant un très bon niveau, loin de là, mais en tout cas, je constate forcément qu'au niveau régional, comme à d'autres niveaux d'ailleurs, on attend beaucoup plus des responsables que par le passé. Et pour pouvoir répondre à ces enjeux-là, il faut absolument qu'on puisse se former. Et si Avenir Formation est aujourd'hui une formation qu'on pourrait qualifier de porte d'entrée à l'engagement, parce qu'elle répond, en tout cas à notre sens, très bien à ce qu'on lui demande. Mais voilà, peut-être qu'une formation un peu plus poussée pour pouvoir accompagner des responsables qui ont déjà commencé à regarder ce que c'était que l'engagement, pourrait être très bénéfique. Donc voilà, c'est un petit peu dans ce sens-là que nous, à Jeunes Agriculteurs, on a envie de s'impliquer dans ce dossier-là, de travailler à continuer de former des responsables, parce que voilà, on est le terreau, enfin, pas le seul terreau, mais on est quand même le terreau d'un grand nombre de responsables de demain. Les responsables de demain passent en général par Jeunes Agriculteurs, et du coup, il faut qu'on arrive à pouvoir les former le plus possible si on veut pouvoir garder le monde agricole comme étant un secteur clé dans l'avenir. Donc voilà, ça va être de toute façon l'un des enjeux majeurs de notre syndicat dans les années à venir. Donc voilà. Merci beaucoup Florent Point. Et on va terminer avec vous, Nicolas Jauré. Donc vous représentez le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté aujourd'hui. Alors vous devez partir d'ailleurs, vous devez nous laisser. Et c'est pas pour rien que vous devez nous laisser, parce que vous accompagnez une délégation d'agriculteurs de votre région. Donc je rappelle que vous êtes maire de Joigny, vous êtes président de la communauté de communes du Jovinien. Et donc vous devez accompagner une délégation d'agriculteurs à Paris pour assurer peut-être l'alimentation d'une certaine partie de Paris, en tout cas en produits issus de l'agriculture iconaise. Je vous laisserai nous en parler un peu plus en détail. Mais avant ça, ce que je voulais avoir avec vous en tant que vice-président chargé de l'économie au sein du Conseil régional de Bourgogne, Franche-Comté, c'était voilà, ce point de vue, tout simplement. Est-ce que pour vous, il y a véritablement un enjeu aussi pour faire monter en compétences finalement les responsables impliqués dans les organisations agricoles ou dans les dossiers agricoles de manière plus large? Alors tout d'abord, je voudrais vous remercier de cette invitation. Merci Monsieur le Président. Je suis très content de découvrir les locaux de l'Institut Agro-Dijon. J'aurai plaisir à y revenir, parce qu'effectivement, c'est un peu contraint aujourd'hui. Je suis attendu par une délégation de la Chambre d'agriculture que j'emmène à Paris pour aller rencontrer les caisses des écoles des 20 arrondissements de Paris qui ont la main sur les achats des productions permettant d'alimenter les 30 millions de repas publics par an délivré par la ville de Paris, et nous avons décidé de prendre une position assez nette pour que les productions iconaises soient servies dans les assiettes des petites parisiennes et des petits parisiens. J'y reviendrai dans un instant. Donc c'est plusieurs années de travail, donc je ne voudrais pas rater ce rendez-vous avec la maire de Paris et les agriculteurs de Lyon. Mon premier réflexe quand vous m'avez invité et que j'ai vu le thème de votre journée, former des responsables agricoles en Bourgogne-Franche-Comté, un enjeu qui nous concerne tous, mon premier réflexe, ça a été de dire, parce que quelqu'un en doute, et manifestement, si on en arrive à consacrer une journée à cette question, c'est qu'il s'exprime quelques doutes sur cette nécessité. Moi, la formation, je pense la formation globale d'ailleurs, hein, c'est le sel de nos relations. Et c'est la nécessité de nos relations. Moi, j'ai été élu par erreur, par hasard et par effraction en 2008, président de la communauté de communes du Jovinien, dans un truchement politique qui fait toujours rire quand je le raconte, mais je n'ai pas le temps. Et j'avais 27 ans. Et je me suis retrouvé à la tête d'une intercommunalité où je devais lever l'impôt, où j'avais plusieurs dizaines d'agences sous ma responsabilité, qui avaient pour l'essentiel l'âge de mes parents, et avec toutes ces politiques publiques à mettre en œuvre qui me sont tombées dessus. Et quand vous devenez un élu local, alors vous avez toujours de bonnes raisons, hein,
qui sont les raisons de l'engagement, on n'y revient pas, la volonté de se mettre au service de l'intérêt général, la volonté de mener, de porter ses convictions, de les incarner, et en l'occurrence pour moi c'était mon totem de dire moi j'ai envie de changer la vie des gens. Et quand j'ai terminé mes études supérieures, je vous le racontais tout à l'heure en off, après l'EDEC, une école de commerce, après Sciences Po Paris, j'ai commencé ma vie professionnelle dans une association loi 1901 de réinsertion de personnes en difficulté, ce qui m'avait valu une convocation des deux directeurs de l'EDEC et de Sciences Po en disant « Mais c'est quoi ce bazar? Vous allez brader nos diplômes ?» Quand on a cette formation, on ne va pas réinsérer des chômeurs en difficulté. Mais moi, je me suis toujours tenu à ma volonté d'être utile pour changer la vie. Et tout ça pour dire que quand vous êtes un jeune élu, vous vous retrouvez à devoir mettre en place des politiques publiques de santé, un magma réglementaire absolu, et là, vous avez face à vous des agriculteurs, donc il faut pouvoir dialoguer avec eux, et là, vous commencez à prendre conscience des politiques agricoles communes, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut pas faire, le développement économique, vous devez apprendre ce que c'est que de l'assainissement, comment on gère l'eau, bref. Et il y a une clé pour essayer d'être au niveau du dialogue qu'attend l'administration que vous avez face à vous, celle que vous dirigez, mais celle à laquelle vous êtes confronté. Les préfets, les administrations départementales, les administrations d'État, les administrations régionales, et puis vos interlocuteurs. Et moi, j'ai toujours été convaincu que la formation, il n'y avait que par la formation que l'on pouvait se hisser au niveau pour être dans un dialogue juste et efficace avec l'ensemble de nos interlocuteurs. Il y a la formation, et puis quand vous êtes élu local, c'est ça d'ailleurs qui fait que 14 ans plus tard, je continue à être passionné par cet engagement, c'est que je pense qu'il faut aussi une bonne dose de curiosité. Et j'ai beaucoup aimé la phrase de l'abbé Pierre que je ne connaissais pas, mais moi je pratique comme ça. C'est-à-dire que quand je suis devant une nouvelle problématique, ça a été le cas avec les agriculteurs, je leur ai dit, d'abord formez-moi, je veux comprendre. Et puis je vais venir chez vous, parce que je veux comprendre comment vous vivez les choses, comment vous vivez les politiques publiques qui s'abattent sur vous, que vous devez, dans le cadre dans lequel vous évoluez, parce que si je ne comprends pas vos contraintes à vous, moi je ne serai pas un bon décideur politique pour essayer d'adapter ce que, avec les propres contraintes qui nous tombent dessus, hein, de l'Europe, de l'État, je ne serai pas bon pour essayer de trouver les voies et moyens qui font qu'on va se comprendre. Et la formation, c'est cardinal. Dans ma vie professionnelle, hein, par la suite, auprès de François Rebsamen, d'ailleurs le maire de Dijon, mais qui n'était pas du tout dans cette fonction à l'époque, qui était le président de la Fédération nationale des élus socialistes, au Parti socialiste, donc ma famille politique, du temps où le Parti socialiste était un grand parti de gouvernement. Sans commentaire, nous avions une magnifique machine de formation des élus, parce que François Rebsamen comme moi, on était convaincus d'une chose, c'est que les élus doivent aussi être formés, et de façon incessante, constante, parce que quand vous êtes élu, encore une fois, vous êtes confronté à une myriade de sujets. Bien malin est celui qui, en arrivant élu, peut prétendre qu'il maîtrise absolument tous les dossiers. Ça n'existe pas. Si vous entendez quelqu'un qui dit ça, c'est un menteur, ni plus ni moins, parce qu'il faut se former. Et nous, on a besoin d'avoir non seulement de se former nous-mêmes, et on a besoin d'avoir aussi face à nous, en ce qui concerne l'agriculture, mais sur tous les sujets, non seulement des hommes et des femmes qui soient formés, mais qui soient aussi formés, j'ai envie de dire, à nos propres contraintes, comme nous devons être formés aux contraintes de nos interlocuteurs. Moi, alors je sais bien que ça fait vieux machin déjà de dire ça aujourd'hui, mais moi j'aime bien l'art de la nuance. Et j'ai toujours considéré que on avancerait ensemble que si on était capable de bâtir du compromis. Et le compromis, ça se construit quand on est capable de s'entendre, de s'écouter et de se comprendre. Alors je dis ça fait vieux machin parce que personne n'ignore et tout le monde constate qu'on vit aujourd'hui dans une société où c'est quand même beaucoup plus facile d'être hyper clivant, d'être très affirmé dans ses positions, de taper, de toujours désigner des responsables. Moi j'ai été très marqué, j'en parle souvent. Il y a quelques années, je me suis lancé dans un plan climat air énergie territorial dans ma communauté de communes. Et puis j'ai voulu le faire de façon très concertée. Et je me souviens d'une réunion incroyable, il y avait du monde. J'avais du côté droit de la salle,
des gens très engagés dans la défense de l'environnement. Et j'avais côté gauche les agriculteurs. Et puis, ça ne se comprenait pas, quoi. Mais vraiment, ça ne se comprenait pas. Donc, on était pas au bord de l'insulte, parce que dans le Jovinien, les gens sont respectueux, s'écoutent et s'entendent. Mais j'ai bien vu que personne ne se comprenait. Et je me souviens du témoignage de cet agriculteur, hein, d'un petit village d'à côté de Joigny, qui est venu me voir à la fin en me disant, mais je sentais l'émotion le submerger, me disant, Monsieur le Président, vous savez, moi, je comprends pas, je comprends plus, en fait, ce qui se passe. Ça fait 30 ans qu'on nous dit de faire comme ça. Et ça fait 30 ans que, du coup, on fait comme ça. Et donc, ça fait 30 ans que moi, je me considère bon élève parce que je fais précisément ce qu'on me dit. Et puis là, depuis quelques mois, depuis quelques années, le truc se retourne. Tous ceux qui m'ont demandé de faire comme ça, c'est la débandade. Et moi, aujourd'hui, je suis l'empoisonneur public, quoi, pour résumer. Mais j'ai fait ce métier par passion. Je vous imaginez bien que je ne me lève pas tous les matins avec l'idée d'empoisonner mon prochain, c'est précisément l'inverse. Et moi, ce témoignage, je rebondis ce que vous disiez tout à l'heure sur les suicides, les professions qui vivent mal, parce qu'il y a des raisons matérielles, financières, pour lesquelles c'est une profession qui souffre. Mais j'ai compris ce jour-là qu'il y a un problème aussi psychologique et moral de l'image qui est renvoyée par certains. Et je suis allé passer du temps dans son exploitation pour comprendre. Il me dit, moi, je suis... Puis après, je vais aller, justement, ça va me permettre de faire une transition sur la deuxième partie. Il m'a dit, vous savez, moi, je me lève tous les matins en sachant pas combien je vais vendre ma production, puisque c'est décidé très très loin du côté de Chicago, à la bourse de Chicago. Et moi, j'ai la main sur rien, quoi. Donc on me dit comment je dois faire, je fais, et en plus, maintenant, on m'explique que je suis un méchant. Et c'est à ce moment-là, notamment, qu'est arrivé le déclic de dire, mais... Comment moi je peux vous aider? Comment je peux essayer de vous faire sortir de ça, au moins en partie? Je vois bien comment l'étau se referme. D'abord, expliquez-moi, est-ce que ce que l'on dit de vous est vrai? Et là, il m'a expliqué hein, toutes les transitions depuis 15 ans dans son exploitation, de comment il y avait eu des efforts de fait, ce qui m'a permis d'ailleurs de revenir vers l'autre camp en disant, mais venez donc avec moi, puis venez donc écouter les gens qui sont la main dans la terre et qui ont mené une transition déjà incroyable, alors qui ne vous suffit pas, parce que c'est vrai que le temps s'accélère. Hein, et chercher du compromis, chercher de la nuance, quand on est sous la pression, c'est encore plus compliqué. Et ça me demande beaucoup plus d'intelligence collective et donc de formation réciproque. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'est parti le sujet Paris. Parce que nous, alors moi j'habite à Joigny, on est à 1h10 de Paris, c'est vrai qu'on a une attraction parisienne importante, et puis j'avais lu hein, tous les documents d'urbanisme de Paris, le plan d'alimentation durable de Paris, le plan le PLU qui demandait à reconstruire 70 logements par an avec des matériaux biosourcés, tout ça. Puis un jour, par culot, j'ai demandé un rendez-vous à la maire de Paris, et je lui ai dit, bravo, les enjeux sont sur la table, mais il me semble que vous n'y arriverez pas seul, parce que il me semble que ce n'est pas en cultivant sur les toits de l'Opéra de Paris quelques productions agricoles, c'est très bien, bravo, puis c'est bien en termes de pédagogie, hein, mais ce n'est pas ça qui va nourrir les 3 millions de Parisiens chaque jour. Nous, on n'est pas loin. La loi Egalim dit que le circuit court, c'est à 200 km. Nous, on est pile poil dans les 200 km. Nous, on a des choses à vous proposer. Et moi, je ne veux plus de cette relation où le nord de Lyon, subit la région parisienne. Parce que c'était ça. Hein. C'était 4 Parisiens sur 10 boivent de l'eau qui sont prélevés dans Lyon. Mais charge à nous de protéger les captages et leur qualité. On nous troue nos paysages pour extraire du sable. Pff, le nord de Lyon, du côté de Pont-sur-Yonne, c'est troué de partout parce qu'il faut du sable pour le Grand Paris, etc. Enfin, on était dans une relation où on subissait. Et on a réussi à rééquilibrer la relation. C'est ce que je racontais au président tout à l'heure. L'un des plus gros propriétaires fonciers dans Lyon, ce sont les eaux de Paris. Moi, je me souviens enfant, dans mon petit village à côté de Villeneuve-sur-Yonne, d'avoir vu toute mon enfance, des champs engrillagés, et je ne comprenais pas pourquoi ces champs-là étaient protégés et pas tous ceux dans lesquels on aimait aller se promener, tous les autres, quoi. Jusqu'à ce que je comprenne que c'était les champs des eaux de Paris. C'était un espèce de totem hein, quand j'étais enfant. C'était les eaux de Paris. Alors on ne rentrait pas sur le périmètre des eaux de Paris. Dans mon imaginaire d'enfant, on se faisait tirer à vue hein, si on rentrait sur ces captages-là.
sauf que c'était des grandes surfaces dont on ne faisait rien. Et donc on a convaincu la maire de Paris de dire, avec les agriculteurs de Lyon, bah laissez-nous exploiter ça, on a bien compris qu'il ne faut pas un millilitre de chimie qui rentre là-dedans, sinon bah c'est Paris, alors il faut faire gaffe hein, en plus. Mais laissez-nous faire des choses et expérimenter des choses. Et aujourd'hui, voilà. Au moment où je vous parle, nous avons bouté hors de Paris la lentille verte du Canada pour la remplacer par la lentille verte de Lyon. Ouais, à mon grand bonheur. Et vous savez comment on s'y est pris d'ailleurs pour convaincre la ville de Paris de la qualité de nos productions. Et j'arrête juste après. Promis, j'arrête. Je conclue. Merci beaucoup. Et j'ai la chance d'être à la tête d'une ville qui a un chef étoilé, deux étoiles, Jean-Michel Lorrain, la Côte-Saint-Jacques. J'allais dire, je vous y invite. Pas vraiment, mais je vous invite à y aller. Un jour, j'ai appelé Jean-Michel Lorrain et je lui dis, chef, ça m'aiderait si vous acceptiez avec votre palais d'exception de goûter la lentille verte de Lyon. Parce que si jamais il y avait la chance qu'on ait une vitrine chez vous, ça veut dire qu'elle passera partout, la lentille verte. Jean-Michel Lorrain a accepté d'accueillir Terre d'Hôte, hein, les producteurs du nord de Lyon. Et trois jours plus tard, il m'a dit, incroyable, c'est à ma carte à partir de la semaine prochaine. Et à partir de là, j'ai pu dire à Hidalgo, si c'est servi à la table d'un deux étoiles, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas servi dans les écoles, dans les assiettes des petites parisiennes, des petits parisiens. Et donc, et je termine là, on a tiré le fil, c'est-à-dire qu'on a commencé avec la lentille, puis le pois chiche, puis... Et donc c'est toutes ces productions-là qu'on va mettre sur la table du bureau de la maire de Paris cet après-midi et des caisses des écoles en leur disant, bah, au lieu d'aller acheter dans le monde entier les productions qui vous sont nécessaires, commencez donc dans un beau rapport de réciprocité, hein, c'est ce que moi j'appelle le ruissellement, mais le vrai, c'est-à-dire la métropole riche des territoires plus pauvres mais qui ont des savoir-faire, des compétences et comment on fait en sorte que les besoins des autres nourrissent de la création de la valeur ajoutée dans des territoires comme les nôtres. En conclusion, former, il en restera toujours quelque chose. Merci beaucoup Nicolas Jauré. Merci à vous messieurs. Je vais vous inviter à quitter la scène par la droite. Merci encore en tout cas de ce propos introductif. Je suis désolé, on a été un petit peu long, mais il fallait quand même que les choses soient dites. Et on va tout de suite embrayer avec la présentation justement de trois dispositifs de formation avec donc trois personnes. Jessica Durgé qui est conseillère dans le réseau des jeunes agriculteurs, Pierre Pellerin qui travaille donc à l'Institut Agro de Dijon et puis Laurent Mingan qui est le directeur de l'IFOCAP. Je vais vous inviter donc à venir me rejoindre, à prendre place sur notre plateau. Voilà, ne soyez pas timide. Jessica, je vous en prie, prenez place. Également donc Pierre Pellerin et Laurent Mingan. Installez-vous, prenez un micro et on va commencer par vous, Jessica Durgé. Donc à chaque fois, une petite présentation assez synthétique. Hein, je sais que c'est un véritable exercice, c'est un défi parce que bien sûr, ce sont des dispositifs qui sont assez complexes et assez complets. Mais voilà, donc nous présenter un peu les grandes lignes de chacun de ces dispositifs. Et donc avec vous, Jessica, on va voir Avenir Formation. Très bien. Alors bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je vais prendre le lancement des présentations des écoles de responsables en essayant d'être le plus bref possible. Donc pour vous présenter Avenir Formation, alors je pourrais en parler pendant très longtemps. Donc n'hésitez pas à poser des questions après parce qu'il y a plein de choses à dire. En tout cas, pour être synthétique, Avenir Formation, si on commence déjà par le public, c'est un public alors de jeunes agriculteurs. Alors pas tant dans l'âge, mais vraiment à la fois dans la responsabilité et jeunes en tant qu'agriculteurs. On peut très bien faire cette formation si on est dans le monde agricole depuis peu, mais qu'on a plus de 40 ans, par exemple. Donc ça, c'est vraiment le public cible. Ensuite, si on devait résumer un petit peu les grands enjeux d'Avenir Formation, je pourrais en dire quatre. Le premier, c'est vraiment de faire sortir un petit peu l'agriculteur de sa ferme, comprendre un petit peu tout ce qu'il y a autour de sa ferme, et ben, comprendre aussi le lien que a le monde agricole avec un grand A sur son exploitation. Ça permet aussi de lui faire prendre sur un deuxième enjeu un petit peu de recul et de hauteur sur ses pratiques et son exploitation. Et puis, ben voilà, au-delà de cette partie compréhension de tout le panel agricole, les deux autres enjeux majeurs, c'est de leur donner les outils pour de comprendre, enfin, pour être acteur dans ce monde-là, et puis donner des outils et favoriser en deuxième enjeu les projets collectifs et individuels, donc en grande partie collectifs. Donc voilà pour Avenir Formation. Alors comment ça se passe concrètement? C'est une formation qui a lieu tous les ans, une promotion d'une dizaine de stagiaires de novembre à
à mars. Donc c'est en 5 modules, hein, donc du coup on pourra détailler si besoin plus tard. Mais l'objectif c'est vraiment ces 5 modules de 2 à 3 jours sur une année avec du coup ben, voilà, un enchaînement assez rapide. Hein, du coup, parce que tous les mois ils se retrouvent, mais ça permet de construire vraiment cette dynamique collective et pour favoriser vraiment derrière de la prise de responsabilité. Voilà, je m'arrêterai là pour pouvoir passer à la suite rapidement. Merci beaucoup, Jessica. Je fais juste une parenthèse pour dire qu'effectivement, il y aura certainement des questions par rapport à tous ces dispositifs. On se réservera un temps pour éventuellement des échanges et des questions, puisqu'on aura, à l'issue donc de la présentation des trois dispositifs, on aura une mini table ronde avec trois personnes donc, qui seront avec nous, qui ont suivi déjà chacune de ces formations et qui nous apporteront un petit peu leur ressenti. Vous pourrez évidemment à cette occasion-là poser des questions. J'ajoute également que des personnes qui nous suivent en ligne peuvent aussi poser des questions en ligne également. Donc je les recevrai sur mes mails. Merci en tout cas, Jessica, de vous être très bien tirée de l'exercice. Pierre Pellerin, avec vous, on va aborder AgriAct. C'est le micro marche, hein, normalement. Le micro fonctionne. Voilà, il fonctionne. Bonjour à toutes et à tous. Pour poursuivre la présentation, dire qu'AgriAct, et ça a été rappelé tout à l'heure par François Rochebrune, est une formation qui s'inscrit aussi dans un partenariat avec la Chambre régionale d'agriculture et qui vient en complément d'Avenir Formation en s'adressant à des agriculteurs en posture déjà de responsabilité, un peu plus aguerris, un peu plus expérimentés. Responsabilité dans ces organismes agricoles ou dans des collectivités d'ailleurs. L'idée, c'est de faire un pas de côté, d'avoir un temps pour prendre du recul par rapport à son activité et se mettre, je dirais, en compréhension de la complexité du monde qui a été décrit hein, tout à l'heure parfaitement hein, par Christian et par les autres témoins. Comment est-ce qu'on est acteur dans cette complexité-là, comment est-ce qu'on se met à l'écoute de cette complexité en essayant d'être dans un processus de compréhension des postures, dans une vision de compromis mais constructive, faire valoir ses intérêts mais aussi comprendre que on est un élément d'un tout. Alors c'est un programme qui est assez proche en termes de modalités de temps d'Avenir Formation hein, puisqu'on est sur des modules de 2 jours sur 10 jours en tout sur une période de 6 mois avec dans les programmes à la fois des acquisitions de méthodes hein, de méthodes pour agir autour de la communication, de l'argumentation, de la négociation, ça c'est pour se consolider dans ses compétences. Et puis, pour faire ce pas de recul, avoir aussi une compréhension de comment se construisent les politiques publiques, comment se joue le collectif, quelles sont les attentes sociétales, comment on peut se positionner par rapport à ça, la question du positionnement, avec également des soirées débats qui viennent enrichir le dispositif. Et puis, une particularité, c'est que on propose aussi des parcours individualisés, alors notamment la possibilité offerte aux stagiaires de définir un profil qu'on appelle le profil Herman, qui permet de savoir en quelque sorte quel communicant on est, comment on se met en relation avec les autres, d'identifier aussi quel est le mode relationnel des interlocuteurs. Et puis, à côté de ça, un projet individuel qui n'est pas un livrable. Hein, c'est l'idée d'accompagner un individu sur une réflexion personnelle, sur un projet qu'il a, un projet du moment, et voir comment il peut mobiliser les acquis de la formation autour de ça. La spécificité quand même du parcours, c'est que l'équipe pédagogique est une équipe d'enseignants-chercheurs et d'ingénieurs de l'Institut Agro. C'est-à-dire que ce ne sont pas des formateurs comme les autres. Hein, ils ont une expertise. Et ils accompagnent vraiment la prise de recul. Alors c'est une équipe constituée autour de Claude Compagnon hein, du département des sciences de l'homme et de la société et qui a vraiment une spécificité d'expertise sur la négociation, la communication, l'argumentation et puis évidemment les politiques publiques, les filières, etc. Alors peut-être pour passer à la slide suivante, la Chambre a émis le souhait de pouvoir reconduire un AgriAct 2, avec la perspective de pouvoir mettre en chantier une formation à partir de l'automne prochain. C'est la slide suivante. Alors c'est voilà, un petit appel du pied pour vous inviter les... Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante? Ah, voilà, je crois que c'est bon.
C'est avec un univers cinématographique, un Agréacte 2, le retour en quelque sorte, hein, puisque c'est Delphine Arabi qui a composé l'image. Merci Delphine. Voilà, donc on se place dans cette dynamique-là. Merci beaucoup Pierre Pellerin, merci, c'était parfait, c'était concis également. Et on va passer à vous Laurent Mingan, je rappelle que vous êtes directeur de l'IFOCAP et vous allez nous parler de la formation au renfort. Oui, le défi est d'être aussi rapide. En tant que directeur de l'IFOCAP, je pourrais vous parler d'Oméga, mais je ne le ferai pas, ou du moins que très rapidement, pour vous dire qu'Oméga pourrait s'inscrire en complément d'Avenir Formation ou d'AgriAct. Mon président Stéphane Rousseau en a dit quelques mots tout à l'heure. Vous retrouverez sur le site internet de l'IFOCAP la présentation de cette formation Oméga, pour laquelle les inscriptions sont ouvertes pour la promotion 2022-2023. Au cours des réunions préparatoires à cette journée, nous avons plutôt fait le choix de vous parler de renfort. Vous aurez tout à l'heure un stagiaire qui en parlera également. Renfort, c'est responsable en formation pour demain. Et c'est une formation qui est organisée en Nord-Pas-de-Calais par une association, qui est l'association Renfort, j'y reviendrai tout à l'heure, et qui est construite et co-construite entre Junia, ex-institut supérieur d'agronomie de Lille, qui s'appelle aujourd'hui Junia. Il n'y a pas qu'à Dijon que les noms changent. Le monde change et les noms changent. Voilà, donc Junia est en partenariat et en appui pédagogique et en animation avec IFOCAP, pour dire aussi donc qu'IFOCAP, au-delà des formations que nous proposons, participe et contribue à l'élaboration et à l'animation de formations dans des régions. C'est le cas donc en Nord-Pas-de-Calais et dans quelques autres régions. Vous avez la slide qui rappelle quelles sont les cibles assez classiques de cette formation renfort qui s'adresse aux chefs d'exploitation agricole, mais un peu plus large quand même, avec des objectifs qui sont de mieux connaître l'agriculture et ses différentes dimensions, participer à l'insertion de l'agriculture dans les territoires, de maîtriser les outils du responsable professionnel, de s'ouvrir à d'autres cultures et d'autres visions de la société, et mieux se connaître, et c'est un élément extrêmement important, mieux se connaître et formaliser le responsable que je suis et le responsable que je veux être. C'est un élément absolument majeur de notre point de vue, parce qu'au-delà des compétences techniques, ce qui fait l'efficacité du leader, c'est le fait qu'il est d'abord à l'aise avec lui-même et parfois même aussi avec son héritage familial. Et régulièrement, c'est quelque chose qui remonte de ces formations. On peut voir la deuxième slide que je vais passer très rapidement. Très rapidement pour présenter en fait les quatre axes, les quatre modules de la formation Oméga, pour donner peut-être simplement quatre mots d'ailleurs. Le premier module, c'est de travailler sur le moi. Le deuxième, le moi MOI, pas le MOIS. Le quatrième, c'est de travailler sur l'autre, comprendre qui est l'autre pour porter sa parole. Le troisième module, c'est travailler sur le monde. Poser son analyse et s'ouvrir, ouvrir son esprit sur le monde. Et le quatrième module, c'est poser sa décision, c'est travailler sur l'agriculture. J'en dis pas plus, je pourrais répondre également, et tout à l'heure, le témoignage le fera aussi. Peut-être insister sur la troisième slide, sur quelques originalités et atouts de renfort que je présente moi là en tant que directeur de l'IFOCAP, mais qui aurait pu être présenté peut-être par le président de Renfort ou le directeur de Renfort, parce que Renfort, c'est aussi une association qui a été constituée en Nord-Pas-de-Calais. Une association qui porte donc cette formation Renfort, qui est une formation qui se déroule sur 3 années. Et c'est un élément d'originalité en termes de durée par rapport à beaucoup d'autres formations, à raison de 8 jours par an, donc 3 fois 8 jours par an, et en plus avec des voyages d'études. Il y a des voyages d'études chaque année, dont un voyage d'études de 10 jours en troisième année. C'est la 12e promo qui est en cours actuellement. Donc Renfort, c'est pas un truc tout nouveau, tout récent, c'est quelque chose qui fonctionne depuis presque 35 ans et qui depuis presque 35 ans mobilise 24 stagiaires par promo. Donc sur 2 départements, 24 stagiaires à chaque promotion de 3 ans, ce qui me semble être un élément majeur. On parlait tout à l'heure d'enjeux de la formation et de mobilisation autour de la formation. Vous avez là l'exemple d'une région, ou maintenant de 2 départements, puisque le Nord-Pas-de-Calais n'est plus une région,
qui parvient à mobiliser 24 stagiaires pour des promotions de 3 ans. Donc je le disais, c'est une association qui est portée par les OPA depuis 35 ans. Il y a 15 OPA qui sont membres, qui payent chaque année une cotisation. Et cette cotisation, elle est en moyenne de 3000 euros, qui symbolise l'investissement de ces 15 OPA pour la formation de leurs futurs responsables. Je dis 3000 euros, c'est 3000 euros en moyenne. On le vit tous, vous le vivez tous. Les OPA n'ont pas toutes les mêmes moyens. JIA paye moins que la banque, pour donner un exemple. Je crois que JIA, c'est 500 euros de cotisation chaque année. La banque, c'est un peu plus de 3000 euros. Voilà. Ça appartient au pilotage des responsables professionnels dans la région. Je ne rentre pas dans le détail là-dessus. Mais quel que soit le montant de la cotisation payée par chaque OPA, chaque OPA a le droit, en contrepartie de cette cotisation, qu'elle soit de 500, de 3000 ou un peu plus euros chaque année, a le droit à au moins un poste, un siège, un apprenant par promo. Et jusqu'à 3, jusqu'à ce que la promo soit complète. C'est-à-dire qu'il peut arriver que quelques OPA n'aient pas de stagiaires à proposer une année. Dans ce cas, d'autres peuvent le faire avec un peu plus de stagiaires. Dire aussi, c'est peut-être une particularité, c'est que chaque journée de formation est complétée avec des interventions de grands témoins. C'est-à-dire qu'au-delà des modules de formation que je vous ai rapidement présentés tout à l'heure, chaque soir, chaque journée de formation, et les 8 jours de formation sont faits comme ça, ce n'est pas des modules de 2 ou 3 jours, c'est un jour de formation plus soirée qui se répète 8 fois dans l'année, plus les voyages d'études. Et donc chaque journée de formation est complétée le soir par l'intervention d'un grand témoin qui peut être un expert, scientifique, politique, ou sur un sujet lié à la journée de travail, ou des responsables des structures. L'intérêt, c'est aussi que les présidents d'OPA puissent livrer et partager avec les jeunes stagiaires leur expérience de l'engagement professionnel. Vu que c'est une association, il y a aussi des conseils d'administration, il y a aussi des temps forts de convivialité qui sont organisés entre les présidents d'OPA et les stagiaires chaque année. Originalité aussi, je ne l'ai pas écrit, mais je le complète. L'objectif de la formation, c'est aussi pour chacun des apprenants de construire un projet. Un projet qui, là, pour le coup, est un livrable. Et un livrable qui est présenté au président des OPA. Donc, il y a quelque chose d'engageant, qui est travaillé tout au long des 3 années. Et non seulement ces projets sont présentés oralement au président des OPA, et dans le cadre d'un jury, etc., mais ce sont des projets qui font même l'objet d'une édition. Il y a une revue, je l'avais rapidement présentée à l'équipe qui a préparé cette journée. Il y a une revue qui est publiée avec chaque projet, chaque stagiaire est présenté avec son projet sur 2 pages. Et pour finir, 2 choses. L'objectif de la formation, je le disais tout à l'heure, c'est moins les aspects techniques que de former l'homme. Former l'homme plus que les compétences techniques. Et c'est aussi, cette formation renfort, une formation d'interconnexion. C'est vraiment une formation qui a cette finalité de faire en sorte que, quels que soient les OPA dont on vient, ce sont des agriculteurs qui sont formés, amenés par tel ou tel OPA, mais qui du coup se connaissent, se rencontrent et construisent ensemble un projet commun avec des éléments de vision partagés pour le développement d'un territoire qui sont ces 2 départements du Nord et du Pas-de-Calais. Aujourd'hui, après 35 ans d'exercice sur cette formation renfort, le constat que l'on fait, c'est qu'au conseil d'administration de renfort, il y a une majorité d'anciens stagiaires. Ça veut dire que la majorité des présidents des OPA aujourd'hui dans ces 2 départements Nord-Pas-de-Calais sont des agriculteurs qui ont participé à la formation renfort. Voilà. Merci beaucoup Laurent Mingan. Merci à vous 3 donc de vous être prêtés à cet exercice. C'était à la fois concis et précis. Donc merci beaucoup. Je vais vous inviter à quitter la scène et je vais appeler, parce qu'on va illustrer un petit peu justement ces 3 dispositifs avec des cas concrets de personnes qui se sont formées selon ces 3 dispositifs. Je vais appeler à me rejoindre sur scène donc Samuel Legrand et Thibaut Renaud, s'il vous plaît. Donc voilà, si vous pouvez passer par le petit chemin derrière le rideau. Et puis on est avec Julien Mac en visio. Bonjour Julien, merci à vous de nous avoir rejoints. Alors on va laisser nos 2 autres intervenants s'installer. Prenez place, je vous en prie.
Voilà, Thibaut Renaud, installez-vous, je vous en prie également. Et on voulait, voilà, je voulais commencer cette première table ronde avec vous, Julien Mac. Je vous présente rapidement. Hein, vous êtes exploitant agricole donc dans le Nord. Vous êtes dans la région de Berck, c'est près de Dunkerque, si je ne fais pas erreur. Vous êtes sur une petite exploitation d'une vingtaine d'hectares où vous cultivez du blé et du maïs. Vous avez votre épouse qui fait une activité de ferme pédagogique. Et vous êtes plus réactif puisque vous exercez également la profession de paysagiste à votre compte. Voilà, ça c'était pour planter le décor. Donc vous avez suivi cette formation en renfort sur laquelle on a terminé l'épisode précédent. Moi, ce qui m'intéressait en premier lieu, c'était justement de comprendre pourquoi vous avez choisi de vous impliquer, de suivre cette formation, et puis de nous dire aussi assez rapidement ce que ça vous a apporté très concrètement. Oui, bonjour à tous. Oui, j'ai eu l'occasion de faire renfort grâce au JIA. À l'époque, l'ancien président l'avait fait et m'en avait donné, m'avait bien vendu, bien en parlé, bien promu. Et donc, du coup, quand on me l'a proposé, j'ai pas hésité une seule seconde. Bon, c'est sûr que c'est un investissement sous le temps, comme l'a dit monsieur Magan, c'est sur 3 ans, mais ça passe relativement très vite. Et donc voilà, oui, j'en sors, j'ai fait la promotion 11. La promotion 12 a commencé en novembre dernier. Qu'est-ce que j'en retiens? Oui, c'est l'ouverture sur le monde et puis un grand travail sur soi. Et au départ, il y avait un constat de votre part d'un besoin de compétences à acquérir? Oui. On voit bien que bon, on rentre chez les JA. Au début, c'est bien, c'est de la convivialité. On commence à intégrer des réunions avec des responsables politiques. Et on voit bien qu'on n'est pas armé pour défendre comme il faut un dossier, prendre la parole, sortir une idée, un objectif d'une réunion. Vous êtes engagé, vous, aujourd'hui, vous êtes impliqué plutôt dans les JA de votre département? Oui, j'étais administrateur dans mon canton, dans la petite région Nord-Pas-de-Calais, comme on disait. D'accord. Et là, avec la limite d'âge, j'en suis sorti, mais j'ai pris des postes à la FDSEA 59, aussi bien dans l'arrondissement de Dunkerque que dans le département du Nord. Et alors, très concrètement, qu'est-ce que ça vous a apporté? C'est-à-dire, est-ce que vous vous sentez plus à l'aise, d'une part, pour défendre des dossiers qui, parfois, peuvent être très complexes, mais aussi... Alors pour les défendre sur le fond, mais pour les défendre sur la forme, c'est-à-dire dans la capacité qu'on a parfois de s'exprimer. Est-ce que renfort vous a apporté des choses de ce point de vue-là? Oui, aussi bien sur la forme, oui, on arrive plus à présenter le dossier comme il faut, à comprendre le fond et surtout ce qui en gravite autour. On pense parfois qu'un sujet est très simple à défendre, mais comme il y a beaucoup d'acteurs qui gravitent autour, il faut savoir les mettre de notre côté pour que le projet avance plus rapidement ou plus facilement. En fait, vous tirez le fil de la pelote et vous vous apercevez finalement que d'un problème qui peut être ponctuel, il faut avoir une vision beaucoup plus globale, quoi. Voilà. Techniquement, dans la formation, on appelait le triangle d'or. Les acteurs qui étaient plutôt favorables avec nous, il fallait savoir les emmener pour que la pelote se fasse. Est-ce que, alors donc cette formation, effectivement, c'est sur 3 ans, c'est 8 jours par an à peu près. Bon, j'imagine que ça a dû être un petit peu complexe ces dernières années avec la Covid. Ça n'a pas dû simplifier les choses? Oui, tout à fait. La promotion 11 s'est déroulée sur 4 ans. La deuxième année, on l'a dissociée sur 3 années civiles avec le confinement que tout le monde a connu. Et est-ce que c'est une formation qui vous a donné la possibilité aussi d'ouvrir vraiment votre horizon, c'est-à-dire d'aller voir d'autres types d'agriculture dans d'autres régions de France ou peut-être même à l'étranger? Oui, tout à fait. La première année, alors il faut savoir qu'à Renfort, les missions d'études, il y en a 3, il y a 3 années, donc 3 missions d'études. Il n'y a que la deuxième qui est imposée puisqu'on va voir on va voir Bruxelles, la commission, le parlement et le lobbying. Et la première année et la troisième année, ce sont les stagiaires qui, entre guillemets, se mettent en groupe et défendent un lieu où on part découvrir. Donc, la première année, on a eu la chance d'aller découvrir la Gironde et le Bordelais.
Et en troisième année, le choix s'était porté sur Israël, un pays assez sur la pointe en tout ce qui était technologie agricole. Bon, malheureusement, on n'a pas pu le faire à cause du Covid et on est parti en Italie. Mais c'est sûr que, on dit souvent, les voyages forment la jeunesse, mais ça forme aussi une certaine idée comment les autres font, prendre des idées, prendre des façons de faire, et puis on en retient toujours quelque chose. Et est-ce que fondamentalement, aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir votre regard plutôt sur votre métier, il a changé aujourd'hui, vous ne l'appréhendez plus de la même manière? Oui, la façon de... Oui. On voit bien qu'on a toujours cette fonction nourricière, mais l'environnement prend de plus en plus sa part. Et puis, la vision du grand public, ça, j'y fais très attention. Faire les choses bien, faire les choses belles, entre guillemets, les belles choses. Et puis, faire attention que le grand public soit toujours de notre côté. Alors ça, c'est intéressant, c'est un aspect très important que vous soulevez, parce qu'on a déjà eu l'occasion de l'évoquer à plusieurs reprises depuis le début de cette matinée. C'est effectivement cette difficulté parfois pour les agriculteurs à réagir de manière équilibrée par rapport à une société qui renvoie parfois des messages très violents vis-à-vis de l'agriculture. Donc ce renfort, en tout cas, permet là-dessus de travailler et peut-être d'aborder les choses de manière différente avec le grand public. C'est peut-être aussi facilité par le fait que votre épouse a une ferme pédagogique. Donc il y a une ouverture, voilà, il y a du passage chez vous en quelque sorte. Oui. Donc oui, la ferme, donc c'était une vingtaine d'hectares, comme vous disiez, et puis mon épouse fait accueille des scolaires via le réseau Savoir Vert, des goûters d'anniversaire. Donc on brasse beaucoup d'enfants et les parents quand l'enfant rentre à la maison, il a toujours retenu quelque chose, et donc du coup, les parents écoutent. Mmh. Et l'image de l'agriculture en garde un bénéfice. Merci Julien Mac. Alors vous restez avec nous, bien sûr, hein, vous pouvez aussi toujours intervenir. On va passer à vous, Samuel Legrand. Vous êtes, vous, agriculteur dans l'Yonne, à Charbuis, c'est au nord d'Auxerre. Vous êtes céréalier en GAEC, installé en hors-cadre familial depuis 2007. Alors vous avez été président des JA de Lyonne et des JA de Bourgogne, à l'époque où ce n'était pas encore Bourgogne-Franche-Comté. Et aujourd'hui, d'ailleurs, vous êtes aussi impliqué, mais plutôt en tant qu'élu local, hein, dans votre, je crois, sur votre commune. Ce qui est intéressant, donc vous avez suivi la formation AgriAct, vous ne l'avez pas suivi avant de prendre des fonctions, mais plutôt après, finalement. Il y a eu un petit décalage là-dessus. Qu'est-ce qui explique ce décalage, en fait ? Bonjour à tous. Ce qui explique ce décalage, c'est que je me suis installé tard, en fait. Je n'ai pas pris le train à venir formation parce que j'ai tout de suite pris des responsabilités donc, au niveau des JA de Lyonne. Et oui, Florence, c'est comme ça, on fait ce qu'on peut. J'avais une première expérience de travail avant qui m'avait quand même permis d'apprendre des choses. J'étais commercial dans une grande banque française de couleur verte. Donc voilà. Et en fait, en fin de parcours de JA, j'étais plutôt orienté à aller dans mon CERF France pour m'engager. Et il y avait cette formation qui se menait, et bon, Christian a œuvré pour que j'y aille. C'est toujours un engagement de temps, en fait. C'est ça qu'on a. Mais bon, il faut le prendre le temps, parce que sinon, on court sur nos fermes et les autres se forment, donc et nous on peut être vite largués. Et en fait, ce que je retiens d'AgriAct, moi, ce que j'ai aimé, et c'est peut-être un pavé dans la mare que je vais mettre en Bourgogne-Franche-Comté, mais ça me fait plaisir de voir que dans le Nord, ils ont réussi à faire quelque chose tous ensemble. Et dans Lyon, il y a la formation de la COP, la formation du CERF France. Chacun fait sa sauce. Et en fait, on fait pas grand-chose. C'est à mon avis, hein, ça n'engage que moi, j'ai aucune étiquette, mais voilà. Et à un moment, on se met tous autour de la table. Moi, ce que j'ai aimé chez AgriAct, c'est ça. Il y avait deux gars du crédit. Il y avait, moi, je venais CERF France. Il y avait des gars qui venaient du bovin. Enfin, on a mis tout ça au milieu de la table et on a discuté sur nos envies, nos ressentis. Donc, je vais pas reprendre le contenu. Apprendre à se connaître, apprendre à connaître les autres. C'est des choses qui permettent d'avancer. Mais aujourd'hui, ben voilà, la coopérative, elle veut faire, je sais plus comment c'est, nous dans Lyon. Enfin bref, il y en a une. Et en fait, on reste un peu formaté dans la volonté
de la personne qui nous forme. Alors qu'avec une formation qui est beaucoup plus neutre, sur ça, on apprend à se connaître ensemble, on crée un réseau aussi, c'est aussi important. Et moi, c'est le point positif que j'ai retenu. Après, bon, bah, à titre personnel, j'ai arrêté le Cerf France parce que 2016 est arrivé, 17, 18, 19, donc sur l'exploitation, c'était assez compliqué. Il faut aussi savoir pourquoi on est là. Et moi, je suis là pour être paysan à la base. Et voilà. Et puis, ben, 3-4 ans après, ça allait mieux. Et j'ai aussi retenu ce qu'on m'a appris. Il faut savoir s'engager pour ses valeurs. Et je suis en périurbain, donc je me suis engagé dans ma commune. Et aujourd'hui, je suis adjoint au maire de ma commune. Et ces formations-là m'ont permis aussi de prendre du recul. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. Moi, je me souviens d'un truc qui a marqué un petit peu ma formation AgriAct. On m'a dit, vous allez être dans la salle pendant 2 heures, et on va vous mettre, là ça n'engage que moi aussi, mais c'était un hurluberlu écolo devant moi pendant 2 heures. Et on m'a dit, vous ne lui parlerez pas spontanément. Donc pendant 2 heures, on a dû prendre du recul avec quelqu'un qui n'avait pas du tout les mêmes valeurs. Je le respecte, hein, il n'y a pas de souci, mais c'est super dur. Mais derrière, on construit son propos au lieu de répondre tout de suite à la première attaque. Et ça, c'est aujourd'hui dans ma vie de tous les jours et surtout d'élu local, ben on en a des comme ça, des gens, et puis même moi, des fois je dis des choses qui peuvent choquer, et de prendre le temps d'écouter pour savoir répondre, ben ça a été un grand point positif sur cette formation-là. Voilà. Ça vous a vraiment apporté beaucoup de choses dans le rapport que vous pouvez avoir aussi justement avec les personnes qui sont hors de l'agriculture, qui ne comprennent pas toujours forcément comment ça marche. Ça, il y a vraiment eu quelque chose d'important pour vous là-dessus, pour poser votre discours, l'argumenter. C'est le moi un mot que j'ai découvert, mais l'empathie, je veux dire, se mettre à la place des gens. Donc, je suis pas un grand littéraire, mais oui, la phrase de l'abbé Pierre, je pense que c'est la définition de l'empathie, c'est de se dire qu'est-ce que les autres peuvent penser. C'est dommage que Monsieur Sauré est parti parce que bon, son propos politique me plaisait bien, mais quoique localement, il y a des petits trucs que bon. Il est à Dijon, il dit pas tout ce qui se passe. Mais voilà, c'est intéressant de se mettre à la place des gens, de comprendre, d'expliquer, et aussi nous de changer. L'agriculture, elle a changé en 50 ans. AgriAct nous a amené ça aussi. On a eu toute une partie sur l'histoire de l'agriculture. Donc moi, je suis plutôt quelqu'un qui regarde devant, mais regarder un peu dans le rétro, ça permet aussi de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Ça permet aussi d'expliquer aux gens le propos de Monsieur Sauré avec l'agriculteur qui dit ben « moi, j'ai toujours fait ce qu'on m'a dit de faire ». Ben oui, on fait ce qu'on nous dit. Il y a l'acte de politique, il y a l'acte aussi d'achat. Le consommateur nous dit de faire quelque chose. Et les formations nous permettent de comprendre ces choses-là, de les absorber et de les retranscrire. Et de faire évoluer les gens qui sont autour de nous, et de nous-mêmes évoluer dans nos pratiques et dans notre façon de faire. Il y avait quelque chose de très intéressant que vous aviez dit quand on a préparé cette table ronde ensemble. Moi, ça m'a marqué, c'est que cette formation, notamment, elle vous permet aujourd'hui d'analyser à la fois les gens qui sont d'accord avec vous et les gens qui ne sont pas d'accord avec vous. C'est une sacrée gymnastique intellectuelle, quelque part. Ben c'est ce que je vous disais avant, et à un moment de comprendre les gens, ça permet de savoir leur répondre. Après, c'est pas forcément toujours facile. Il faut pas être sous le. Moi, je suis assez impulsif, donc il faut pas être sous le coup de l'impulsivité ou de la colère. Mais c'est sûr que de comprendre et de se mettre à la place des gens. Quand quelqu'un dit, ben, vous polluez, ben, c'est parce que je pense qu'il le pense, et parce que ou il le voit ou parce qu'il en est convaincu, et de se dire, ben oui, ce que je fais, ça peut avoir un impact sur la vie des autres. Et comment je fais pour qu'il mon impact soit moindre, à la fois avec un aspect économique, il faut quand même pas oublier l'aspect économique pour nos exploitations, à la fois avec un aspect environnemental, et ça permet d'expliquer aux gens derrière et d'avancer sur ces sujets-là, en fait. Et aujourd'hui, et aussi de mettre un peu les gens sur leur fait accompli. Moi, aujourd'hui, je veux bien faire beaucoup mieux sur mon exploitation, mais quand je vois que la part de marché, je vais dire, d'achat de porc, c'est du porc industriel, pourquoi me dire qu'il faut pas faire de porc industriel? Je veux dire, bah voilà, c'est un exemple parmi
tant d'autres, et remettre un petit peu les gens, l'église au milieu du village, sans entrer dans l'animosité et la confrontation. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant et constructif pour tout le monde. Est-ce que vous êtes devenu un peu un militant aujourd'hui de la formation ? Est-ce que vous encouragez autour de vous à se former ? Ben moi, je paye pour me former. Donc déjà, il y en a. Sur mon exploitation, on utilise la chambre d'agriculture, on utilise des formations privées avec mon associé pour se former, parce que ça permet de s'enrichir. Il y a toujours quelque chose à avoir, même une journée comme aujourd'hui. Moi, je parle, c'est de la formation. J'ai appris des autres gens, et c'est vraiment un pilier de notre exploitation. Et pour vous dire, j'ai participé aux formations, ça parlera peut-être à entreprendre et réussir au niveau du CERF France. Donc c'est une formation qui est ciblée vraiment sur un projet professionnel, mais on prend de la hauteur, on se retrouve avec d'autres gens. Et oui, la formation est très très importante, et ça doit être au cœur du projet professionnel. Après, le temps, c'est vrai que le temps est important, mais ce qu'il faut se dire, c'est que la formation permet d'en gagner. Donc plus je me forme, plus j'en gagne, plus je suis performant. Bon, après, il faut être convaincu, il faut arriver à convaincre aussi son entourage. Ça n'a pas été abordé aujourd'hui, mais sur de la formation, on a aussi une famille. Donc il faut que son épouse, ses enfants comprennent que papa est pas là. Puis quand il est là, il est au boulot parce que il a pas fait son job les deux autres jours de la semaine. Ben voilà, il y a cet environnement-là. Il faut aussi le vendre à ses associés. À la fin de l'année, le gâteau il est divisé, donc il faut qu'il soit divisé équitablement. Donc voilà, mais nous on est conscient avec mon collègue que c'est important. On communique sur ces choses-là, et lui en fait sur des choses peut-être plus techniques. Moi, je vais sur des choses peut-être plus humaines, mais c'est vraiment une valeur de l'entreprise. Thibaut Renaud, on va poursuivre avec vous, prenez le micro, voilà, oui, il marche effectivement. Alors vous avez suivi la formation Avenir Formation, vous êtes agriculteur en Saône-et-Loire à Bourbon-Lancy, vous êtes installé en GAEC en 2017 avec vos parents, vous faites de la production de bovins viande et puis également du mouton charolais, des volailles fermières, enfin voilà, entre vous et vos parents. Vous êtes secrétaire général des jeunes agriculteurs de Saône-et-Loire également. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous former ? Est-ce que vous aviez fait le constat à un moment donné qu'il y avait un gap à franchir entre votre volonté de vous investir d'une part dans des organisations, mais peut-être la nécessité de vous armer quelque part ? Pour commencer, bonjour tout le monde. Pour commencer, en fait, Avenir Formation, c'est censé être fait pour des jeunes qui ne sont pas engagés encore et qui va donner envie aux jeunes de s'engager. Peut-être parce qu'on les cible déjà avant en les choisissant et en voyant, comme on dit chez nous, les petits chevaux, le petit cheval qu'on réserve, qu'on se dit, voilà, ça sera le prochain. Moi, je l'ai fait sur la fin de mon mandat, mon premier mandat de secrétaire de GIA, parce qu'au début, j'avais déjà la fête régionale à organiser, alors c'était quand même pas rien. Et puis, je pensais pas avoir le temps, en fait, et je pensais ne pas pouvoir me prendre le temps, parce que c'est quand même une période de l'année qui est quand même pas simple pour les éleveurs de Saône-et-Loire, parce que c'est novembre, décembre, janvier, février, mars, pile poil quand il faut, pas. Et donc du coup, je pensais ne pas pouvoir, et en fait, à force de m'engager, et puis aussi le contexte personnel qui me permettait aussi que quelqu'un reste surveiller mes animaux la nuit, parce que c'est deux jours ou trois jours de suite, la formation. Mais je l'ai fait sur le tard, et ça m'a permis aussi de voir une autre dimension de cette formation, parce qu'au départ, elle est quand même prévue pour faire découvrir, pour montrer que l'immensité et la possibilité de s'engager et le besoin de s'engager que chacun doit prendre personnellement et y participer. Qu'est-ce que ça vous a appris, cette formation ? Est-ce qu'il y a eu vraiment des domaines sur lesquels, au départ, vous n'étiez jamais allé, que vous avez découvert à cette occasion-là ? Je pense par exemple à s'exprimer en public, des choses qui peuvent paraître aussi basiques, mais qui ne sont pas forcément évidentes. Eh ben, oui, donc du coup, l'Avenir Formation, elle commence par le premier module qui est le plus important pour moi, pour un bon engagement dans la vie, c'est prise de parole en public et construction de son discours.
Ça m'a été vraiment utile personnellement et je pense à beaucoup, beaucoup de personnes. Il y a des petites techniques qui sont très simples à mettre en place pour prendre des notes sans tout écrire, juste quelques mots. Enfin, c'est des petites techniques qu'on acquiert lors de cette formation. Et puis du coup, ben, je pouvais le mettre en exercice vu que j'étais élu, ce qui m'a permis de vite acquérir, même si je suis encore loin d'être un champion, hein, mais vite acquérir des qualités supplémentaires. Et puis, du coup, à l'autre partie qui m'a vraiment apporté personnellement, c'était la partie d'échange avec des professionnels aguerris dans l'engagement, avec des échanges, mais simplement des échanges. On avait préparé des questions, évidemment, en bateau, mais qui n'ont pas forcément servi. Hein, c'est la première, après le reste, ça venait tout seul. C'était vraiment l'engagement, comment gérer l'engagement personnellement. Avec la vie privée et avec la vie professionnelle, parce que quand on est associé, admettons, on a une femme et on est associé, on est marié deux fois. Moi, je suis marié trois fois, mais c'est avec mes parents, c'est bizarre après, mais bon. c'est important de discuter. Je dis pas que c'est facile hein, tous les jours. Hein. Mes parents, ils ont été engagés, ils le sont plus ou moins toujours. Mais bon, partir des fois une journée, deux jours par semaine, au début, en début d'installation, c'est pas toujours facile. Il faut s'organiser. Bon, bah, des semaines où il pleut, comme cette semaine, c'est idéal. Hein, mais donc, il faut vraiment discuter. Et lors de ces échanges sur l'engagement, j'y ai trouvé vraiment des ressources pour pouvoir m'épanouir personnellement. Et est-ce que vous avez gagné, vous aussi, dans cette capacité de mieux analyser, peut-être, le discours de quelqu'un qui, a priori, vous serait plutôt hostile ? Et voilà, comment on arrive, finalement, à travailler un petit peu là-dessus ? C'est toujours compliqué. Hein, avoir la capacité, enfin, le savoir et le mettre en place, c'est encore une autre chose. Des fois, enfin, certaines fois, on a envie de rentrer dans la personne en lui disant ouais, ben, exagère pas, je trouve que t'as pas raison. Bon, d'autres fois, on essaye d'être plus sur la réserve. Mais oui, il y a eu un module avec Didier Giraud qui nous a permis de parler donc avec les médias lors d'une rencontre. Alors, juste une parenthèse, Didier Giraud, c'est. Didier Giraud, j'ai tellement l'impression qu'il est connu chez nous, c'est quelqu'un de très connu dans notre département. C'est un agriculteur de Monceau qui est, je ne sais plus comment on dit, mais chroniqueur aux grosses têtes. Oui, aux grandes gueules, pardon, je me trompe. Aux grandes gueules. Monsieur avec des grandes moustaches, là. Oui, d'accord. Ouais, c'est pour la retraite. Ok, d'accord. Gueule, oui. Pardonnez-moi, je vous ai coupé. Non, mais il n'y a pas de souci. Et du coup, en fait, il est régulièrement confronté, et quand on regarde les vidéos, il est régulièrement confronté à ses problèmes, enfin ses problèmes, ces choses-là. Et du coup, en fait, il nous a quand même donné quelques astuces, et c'est exactement ce que tu disais. Il faut impérativement prendre beaucoup de recul, attendre, se poser et réfléchir et repartir ensuite. Quoi. Et ça, c'est... pas toujours simple à mettre en place. Vous m'avez dit quelque chose d'important, j'ai trouvé ça intéressant aussi lorsqu'on a discuté un petit peu avant pour préparer cette table ronde. Vous avez le sentiment aujourd'hui que vous êtes plus en accord avec vous-même sur ce que vous voulez et sur ce que vous pouvez réellement. Ah bah oui, parce que tout le monde a eu cette sensation, plus on s'engage, plus on voit l'étendue de la possibilité de l'engagement, et plus on voit l'étendue, plus on a envie de s'engager, et puis c'est une chaîne sans fin, et puis en fin de compte, bah, bien sûr, on n'est pas surhumain, on n'est pas capable de tout faire, on n'est pas capable d'être partout, donc du coup, il faut rester raisonnable dans ses choix, et en fait, du coup, là, avec cette formation, et en discutant, on n'a pas que 2 ans pour le faire, donc si on a envie d'explorer des projets, on a encore quelques années. J'ai encore quelques années, mais ma foi, il paraît qu'il y a d'autres structures qui peuvent accueillir après ces 38 ans. On verra à ce moment-là. Mais voilà, après, je pense qu'il faut tout le temps. Il faut se former et discuter avec des personnes qui sont engagées depuis longtemps pour être en raccord avec soi-même. Il y a toujours des semaines où on doute. Hein, quand on part 3 jours et puis qu'il y a 7 jours ou 8 jours de boulot dans la semaine à faire, on se dit bon ben on n'a pas le temps d'y faire, on s'en va. On est en réunion, on réfléchit pas à la réunion parce qu'on se dit bon mais il y a ça qui est pas
il y a ça qui est pas fait, il y a ça qui est pas fait, il y a ça qui est pas fait. Du coup, on n'est pas concentré à la réunion, mais il y a rien de fait, quoi. Et du coup, ça, bon, c'est, il faut arriver de, il faut le garder à la tête, parce que si on oublie après, on devient plus paysan et là, on est perdu. Mais merci à vous trois, en tout cas, pour ces témoignages. Bon, je vais vous demander de rester simplement, parce que je vous propose qu'on se prenne 5 minutes, peut-être, pour alors soit prendre des remarques, des questions de votre part. N'hésitez pas, on a un micro qu'on peut faire circuler dans la salle. Pensez bien, avant de poser votre question, justement, de parler dans le micro, tout simplement parce qu'on enregistre l'émission et que si vous ne le faites pas, les personnes qui assistent à l'émission n'entendront pas ce que vous dites, tout simplement. Alors, est-ce que par rapport au témoignage que nous avons eu, vous avez voilà, est-ce que ça suit des réflexions, des questions de votre part ? Non ? Bon. Eh bien, écoutez, on va poursuivre. Oui ? Alors, on vous amène le micro. Là, c'est oui, bon. C'est bon, parfait. Bonjour à tous, Christophe Chambon, président de la FRSEA Bourgogne-Franche-Comté. Très rapidement, alors déjà merci pour l'invitation et la qualité des échanges de la matinée. On voit qu'on a affaire à vraiment des personnes formées parce que ça coule, c'est très clair, c'est très limpide. Moi, je voulais juste, j'ai découvert plus une formation aussi, c'est la formation Renfort. Donc, je me tourne plus justement vers les intervenants ou notamment Monsieur Mac. Julien Mac, Julien. Oui, Julien de son prénom. Qui doit toujours être avec nous en visio. Ah mince. Oui, enfin, c'était juste par rapport à la durée où, si j'ai bien noté, c'était sur 3 ans c'est avec huit jours par an. Alors, c'était juste une question ou plus la réflexion, et c'est pour ça que le témoignage m'aurait fait plaisir. C'est par rapport. Ça peut. Il a dit ça peut paraître long, mais ça ne l'est pas. Mais comment, en étant sur 3 ans, puis avec 8 jours seulement entre guillemets seulement par an, on arrive à garder soit un rythme ou soit la tête sur cette formation. C'était plus là-dessus que je voulais avoir un peu la réflexion. Alors, est-ce que Julien Mac est encore avec nous ? Est-ce qu'il a entendu la question ? Ah, il n'est plus avec nous. Bon, bah écoutez, peut-être que, voilà, Laurent Mingant, vous pouvez peut-être répondre, du coup. Je reste ici pour répondre. Mon témoignage ne peut être que moins pertinent que celui qu'aurait été celui de Julien. C'est 8 jours, effectivement, par an, 3 x 8, plus les soirées, c'est des grosses journées, hein, celles qui sont organisées sur la formation, plus les missions d'études. Hein, qui sont des missions d'études de 4-5 jours et 10 jours pour la troisième mission d'études. Donc voilà, c'est pas tout à fait que 3 x 8 strictement. La question est de savoir comment ça fonctionne pour construire quelque chose. Alors, quand on construit un groupe qui se voit pendant 3 ans et qu'on fait une journée par mois pendant 8 mois, sauf pendant les périodes pendant lesquelles il y a effectivement plus de travaux et beaucoup de travaux, ça permet à la fois d'avoir un équilibre entre la régularité et l'intercession qui permet d'infuser. Voilà. Et c'est un rythme qui apparaît effectivement assez adapté aux stagiaires pour l'équilibre entre l'apport et le travail sur son exploitation. Voilà. Donc je ne sais pas si ça répond à la question. Mais 3 ans, c'est effectivement long, et le temps de formation, c'est 3 x 8 plus les missions d'études. Ce qui est déjà pas mal. Hein. Voilà. Merci à vous, Laurent Mingant. Une autre question, on vous amène le micro, et puis après, on enchaînera sur la seconde table ronde. Merci. Yvon Dominier, élu chambre d'Oux, territoire de Belfort. Je veux savoir, suite à votre formation, quel partage vous avez pu avoir avec les autres agriculteurs qui restent confinés dans leur exploitation, qui ne s'ouvrent pas forcément à l'extérieur, et qu'est-ce que ça peut apporter vis-à-vis de ça ? Samuel Legrand ? On peut paraître pour des extraterrestres des fois, mais... Enfin, c'est un peu tout le monde paysan, je veux dire, il faut pas le critiquer. Voilà, on est très rural, on est chez nous, donc des fois, quand on parle de... Moi, je vois quand je parle... Ben,
avec des collègues de stratégie, de communication, ils me regardent avec des grands yeux, mais malheureusement aujourd'hui, même si on le veut pas, moi je dis à mes gamins, semer des graines, c'est pas dur, hein. On va y arriver, hein, voilà. Mais par contre, apprendre à manager, apprendre à communiquer, apprendre à partager. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'avec des collègues, c'est des fois ils peuvent être sur la réticence et puis peut-être négatifs en disant ça sert à rien ce que tu fais et tout ça. Mais faut reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure, se mettre un peu à leur place. Ils ont toujours fait ce qu'on leur a dit de faire et puis pas se fâcher. Quand on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Hein. Mais c'est vrai que ça peut être un peu tendu. Moi, je suis président de CUMA, j'ai 20 agriculteurs, j'ai les trois syndicats autour de la table. Faut prendre du recul. J'ai ceux qui me disent je l'ai déjà fait, t'as beau essayer, tu y arriveras pas. Voilà, puis il y a des fois, il y en a un ou deux où ça marche et puis on avance, mais il faut éviter de rentrer dans le blocage avec quelqu'un avec qui on s'entend pas, mais oui, des fois on est un peu pris pour des extraterrestres, mais c'est comme ça. Moi j'avance, je regarde devant. Thibaut Renaud, vous vouliez ajouter quelque chose peut-être sur ce point ? C'est toujours compliqué quand on rentre chez soi, qu'on a un lot de vaches qui est sur la route, et puis ton voisin il dit t'étais pas là aujourd'hui, non, j'étais pas là. Et puis le lendemain il dit purée, qu'est-ce que vous faites pour la sécheresse là ? Hier j'étais en réunion justement pour que tu touches 6000 balles là, et tu seras content quand les arbres au printemps. T'as envie de répondre ça et tu peux pas en fait, tu peux pas parce que soit t'as l'air con, soit l'autre aussi il a l'air con et puis du coup la discussion elle est coupée quoi. Donc c'est un exemple que j'ai eu, c'était une des premières réunions que j'ai fait quand j'étais élu JA, et c'est pour ça m'a marqué celle-là, mais voilà, c'est toujours compliqué de rentrer chez soi après. Alors, on prend une toute dernière question, là-haut. Merci, Sylvain Marmier, agriculteur dans le Haut-Doubs et membre de la Chambre régionale de l'agriculture. Moi, j'ai une question et une remarque. J'ai une question s'agissant de la formation renfort. Comment vous avez pu intégrer les OPA dans la formation, parce que souvent les OPA ont des formations maison, très structurées, très organisées, en tout cas faites pour leur propre problématique, mais souvent elles ont des réticences à aller dans un collectif, parce qu'ils disent nous on a nos propres formations maison, c'est pas facile de faire venir les organisations dans des schémas collectifs. Et puis la remarque, c'est que en complément de tout ce qui a été dit ce matin et qui était extrêmement intéressant, ouais, j'ai une remarque en termes de formation individuelle, puis une remarque en termes de formation collective. Sur la formation individuelle des exploitants, les choses bougent énormément. Moi, j'ai 53 ans, on a fait de la vulgarisation quand on était jeune agriculteur. On allait dans les champs d'agriculture, on découvrait un truc. Derrière, on mettait les machines en route et puis on faisait de la vulgarisation. C'était assez simple de faire du développement agricole. Aujourd'hui, réfléchir le développement agricole, c'est se poser la question de mon territoire, ma terre, dans l'agroécologie, dans l'agroforesterie, dans le développement de demain, comment je l'analyse moi-même, c'est quoi mon modèle technique demain, c'est quoi mon modèle économique. Mais ça veut dire que chaque exploitation a son propre développement. Et donc, ça change complètement le logiciel d'approche. Et en termes de capacité d'expérience individuelle, ça change complètement la manière dont les choses doivent être abordées. Et en matière collective, c'est la même chose. Quand on faisait avant du syndicalisme ou des institutions agricoles, c'était assez simple, on avait assez l'habitude de le faire. Aujourd'hui, regardez, les compétences économiques sont à la région. Allez, je compte sur les doigts des deux mains d'un menuisier en fin de carrière le nombre de personnes qui s'investissent fortement dans les institutions régionales. C'est très compliqué. Il faut aller loin, il faut porter des sujets de plus en plus complexes. Donc il faut des généralistes, il faut des techniciens dans les élus, il faut des profils très différents, complémentaires. Ça nécessite une coordination, une organisation qui va au-delà de ce qu'on avait l'habitude de faire. Enfin, moi, c'est mon témoignage, parce que ça nécessite de faire des formations à la fois collectives et individuelles qui soient bien structurées. Alors, Monsieur Mingan va vous répondre sur renfort. J'hésitais sur la réponse à apporter. Mais en fait, la réponse, c'est ce que vous venez de dire. C'est le témoignage que vous venez de livrer.
ce qui emporte l'adhésion des organisations professionnelles dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est la remarque que vous venez de faire, c'est la complexité des dossiers, c'est l'importance des projets individuels, et c'est donc l'importance que les agriculteurs auprès de l'ensemble, vis-à-vis de l'ensemble et au sein de l'ensemble de leurs organisations professionnelles agricoles, restent d'abord des agriculteurs qui ont un projet individuel à porter, et qu'il est important que les organisations professionnelles agricoles aient une base commune de responsables qui savent se parler parce qu'ils ont participé aux mêmes formations pour faire face à des enjeux qui sont de plus en plus complexes et à des lieux de décision qui se sont éloignés. Voilà, donc je crois que la réponse, c'est en fait le témoignage, votre réflexion qui suivait. La formation, elle date d'il y a 35 ans. Elle n'est pas née comme ça, d'un coup de baguette magique, où tout le monde s'est vu autour de la table en disant « bah oui, c'est évident, on y va ». Il y a eu quelques bonhommes, hein, quelques leaders qui ont porté la chose et qui ont porté la parole OPA par OPA pour convaincre. Certaines n'y sont pas venues tout de suite, certaines y sont venues ensuite. L'idée, elle venait d'un directeur, hein, du directeur d'une OPA, d'un syndicat, d'un des deux syndicats d'ailleurs, Nord-Pas-de-Calais, d'une des deux fédés, qui d'abord auprès et avec son président, son conseil d'administration, puis le président de la chambre d'agriculture du département voisin. Et puis ils ont construit ça pas à pas pour convaincre et que tout le monde comprenne que c'était important d'y aller. Voilà. Et aujourd'hui, après 35 ans, enfin... L'intérêt, c'est effectivement que du coup, je le disais tout à l'heure, hein, quand plus de la moitié des présidents des OPA ont participé à la même formation, cette idée d'interconnexion, elle joue à plein et elle offre quantité de synergies justement pour construire un projet de développement du territoire et avoir entre les OPA une capacité à aller ensemble porter des dossiers auprès de la région, auprès des communautés de communes, parce que les sujets... entre l'organisation économique, bancaire, syndicale, vous le vivez, parfois c'est un peu touchy, hein, les intérêts ne sont pas immédiatement, de manière évidente, alignés. Et quand on a appris et construit ensemble, ça facilite les choses. Voilà. Merci beaucoup. Samuel Legrand. Si vous pouvez me permettre, Sylvain, pour te répondre, c'est la clé de voûte. Moi, je pense que c'est le souci qu'il y a en BFC. C'est qu'il n'y a vraiment pas cette synergie entre les OPA. On trouve un jeune, un moins jeune. Enfin bref, on dit bah, celui-là, on se le garde. Il est bon, celui-là. On se le met sous le coude. Et c'est ce qui fait que ça ne fonctionne pas là. Il y a un moment, il faut que les OPA disent bah, voilà, on détecte des jeunes. Ou moins jeunes, je veux dire. Et ceux-là, on les met dans le circuit. Et après, ben, si on est bon, ils reviendront à l'OPA de départ. Plus ou moins tôt, mais y a un peu la même chose dans le stockage à la ferme. Moi, je suis serralier, il y a des COP, faut pas stocker à la ferme parce qu'on n'a pas le grain à la moisson. Mais s'ils sont bons, ils vont l'avoir, le grain. Hein. Voilà. Et la clé de voûte en BFC, c'est ça. Il y a un moment, si tous les ans, on a, dans le Pas-de-Calais, c'est 15, mais si on a 15, 20 OPA qui mettent deux gars, ça fait 20 personnes autour de la table. Plutôt que de faire une session, un pôle de formation tous les 3 ans parce qu'on trouve pas assez de monde, ou de se jumeler avec l'autre COP où on va pas prendre de recul, en fait. Et ben, voilà. Moi, je pense que la clé de voûte, et c'est là-dessus où Christian, tu dois continuer de bosser, et Florent aussi, et voilà. C'est les présidents d'OPA, et c'est à eux qu'il faut taper sur la tête, hein, parce que c'est si eux ils ont pas dit dans leur OPA, on va mettre des jeunes à cet endroit-là, on aura beau dedans, c'est je le dirai pas, mais c'est dans un violon. Hein. Merci à vous en tout cas, merci Samuel Legrand et Thibault Renaud de vous être prêté à l'exercice. Je vous invite à quitter la scène et on va sans transition passer à la passer à la seconde table ronde. Je vais inviter donc à me rejoindre sur scène Florence Marquis-Imbert. Alors François-Étienne Mercier est en visio avec nous, ainsi que Dominique Barraud. Et puis nous aurons également Samuel Carré, voilà, qui va nous rejoindre. Donc voilà, je vous invite à passer sur la partie gauche de la scène. Et à venir prendre place là. Le temps que vous vous installiez, d'ailleurs, j'en profite pour poser
me faire l'écho d'une question qui nous est arrivée en ligne. Alors c'est aussi un petit peu un témoignage. Bonjour à tous. Étant déjà engagé dans mon département, présidente des jeunes agriculteurs, j'ai très rapidement compris que la formation est une boîte à outils essentielle pour remplir notre rôle, mais aussi innover et faire avancer notre syndicat et le renouvellement des générations. Vos formations à tous se complètent et semblent répondre à bon nombre d'outils qu'il me manque encore pour emmener mon équipe plus loin. Mais une problématique prend de plus en plus de place dans notre quotidien d'élu, la gestion de nos collaborateurs. Dans notre ferme, comme au syndicat, c'est une facette dans notre engagement que nous découvrons avec mon secrétaire général Thibault, donc, qui était avec nous, et que nous gérons au mieux, je l'espère, mais avec beaucoup de difficultés. Dans vos formations, est-ce que, outre la gestion d'une équipe d'élus, vous évoquez ce sujet et proposez des outils pour gérer au mieux nos collaborateurs, mais aussi tout simplement bien s'entourer? Je pense que c'est un élément important pour partir sereinement de son exploitation et un gain de temps pour gagner en efficacité dans notre mandat. Et la personne rajoute merci à tous pour ce bel échange. Donc voilà, je soumets cette question à votre réflexion. On aura peut-être l'occasion, voilà, justement de revenir dessus en fin de table ronde. Mais là, on va tout de suite embrayer sur cette table ronde sans perdre de temps. Merci à vous, Florence Marquis et Samuel Carré d'être avec nous. Florence Marquis, voilà, je voulais commencer cette table ronde avec vous. Vous êtes aujourd'hui responsable développement innovation au sein du village Baïséa, donc une structure portée par le Crédit Agricole qui est destinée à accompagner les start-up. Alors c'est très récent puisque c'est depuis le mois d'octobre dernier, mais auparavant vous avez officié comme notamment directrice du Herdbourg Charolais et de Charolais France. Moi, ce qui m'intéressait en préambule avec vous, c'était de comprendre quel constat vous tirez de la différence constatée entre la facilité de travail ou l'efficacité en fonction du fait que vos interlocuteurs agriculteurs étaient plus ou moins formés au cours de vos multiples expériences professionnelles. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette invitation. C'est un vaste sujet. Effectivement, ces 20 dernières années, j'ai occupé et évolué en fait dans le monde agricole et j'ai occupé différentes responsabilités départementales, régionales et nationales. J'ai compté avant de venir. Finalement, j'ai eu l'occasion et la chance de travailler avec une vingtaine de présidents différents. Un point commun sur ces 20 présidents, tous extrêmement engagés, investis et passionnés, et avec la volonté forte de défendre l'intérêt général et défendre l'ensemble des agriculteurs, donc convaincus par le collectif. La différence, donc bien évidemment, des profils aussi variés, des personnalités différentes et des responsables qui avaient soit eu des responsabilités dans des clubs sportifs ou étaient élus dans leur commune. Et finalement, sur les 20 présidents, 3 seulement avaient eu la chance de suivre un parcours de formation. Alors, je vais un peu être en décalé, mais je vais prendre une image pour vous résumer finalement cette situation-là. On a tendance à prendre des images en lien avec le sport, mais je vais en prendre une plus sur la natation, parce que c'est un sport que j'ai pratiqué. Et vous allez voir, donc, si vous mettez l'un en face de l'autre deux nageurs, donc qui savent parfaitement bien nager, qui ont la volonté de défendre les couleurs de leur équipe. L'un aura appris à nager par ses propres moyens, et puis l'autre se sera donc entraîné, aura eu des cours et appréhendra peut-être mieux le danger. On va les mettre sur deux plots et puis ils vont faire un 100 mètres. Déjà au départ, vous allez voir que le plongeon ne sera pas le même, et puis qu'il y en a un qui va gagner en distance et en vitesse. Les deux vont finir par arriver aux 100 mètres, mais il y en a un qui aura probablement mieux géré sur la distance, sera plus confiant, aura gardé son souffle, maîtrisé sa technique. Le second aura eu la chance aussi d'arriver, mais pas dans les mêmes conditions et pas avec les mêmes facilités. Voilà, donc c'est un constat un peu particulier que je vais vous faire là, mais parce qu'en fait, je trouve que ça résume assez bien la situation. Alors, on part sur la même volonté, le même engagement, et au final,
on arrive bien à... Parce qu'attention, les 20 présidents ont tous mené des actions très importantes. Mais par contre, on ne le fait pas avec la même facilité. Voilà. Voilà. Et on est peut-être moins serein. Pas au même rythme, voilà, pas avec la même rapidité, souvent. Pour vous, quelles aptitudes un responsable agricole qui décide de se former peut-il développer ? Est-ce que vous avez constaté, dans votre parcours, qu'il y avait peut-être une plus grande aptitude, on l'a entendu hein, tout à l'heure, à justement comprendre des discours qui peuvent être antagonistes ? Enfin voilà, qu'est-ce que vous avez constaté là-dessus, vous, concrètement ? Alors, les personnes qui sont formées développent une posture de leadership. Alors, il y a celle qui... est naturel, mais la posture, la capacité à aussi à s'adapter à son auditoire, parce qu'on ne s'adresse pas de la même façon à son collègue éleveur, comme on l'a pris tout à l'heure, de la même façon qu'on va s'adresser à un décideur politique, parce que c'est aussi le rôle d'un responsable école, on ne va pas s'adresser de la même façon à un journaliste. Et en même temps, on est confronté à tout ce public-là. La deuxième chose, c'est qu'on va, et ça a été clairement dit dans les témoignages, développer une capacité d'écoute, de compréhension. On va être capable de s'adapter plus facilement aussi à différentes situations. On aura aussi appris à avoir une vision beaucoup plus globale, et on sait... Et malheureusement, c'est de plus en plus vrai qu'on est dans un milieu très complexe et que si on prend une responsabilité dans une structure, on ne va pas devoir travailler que pour sa structure, mais cette structure-là aussi, elle travaille dans un écosystème. Et il y a plein d'interférences entre sa structure et les autres organismes. Donc ces formations-là vont permettre aussi de comprendre que on peut s'appuyer sur aussi des chercheurs, des enseignants, des experts qu'on n'aurait certainement pas instinctivement, on ne serait peut-être pas allé voir si on n'avait pas suivi cette formation-là. Et ça a été dit, comme il y a pas mal de réunions, effectivement, c'est la capacité à convaincre, à prendre la parole, à exprimer ses idées, à les argumenter, et la capacité à comprendre des personnalités différentes et voir comment on va pouvoir travailler sur des projets ensemble et comment on va pouvoir amener ces projets en fédérant et en créant des synergies avec des acteurs qui ne sont pas forcément aussi du milieu agricole. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous avez le sentiment que les agriculteurs, les responsables agricoles avec lesquels vous avez pu travailler étaient toujours bien conscient des contextes dans lesquels ils allaient pouvoir être se retrouver plongés, des réalités auxquelles ils allaient pouvoir être confrontés et qui parfois sont extrêmement déstabilisantes parce qu'on n'y est pas préparé, tout simplement. Alors effectivement, quand on est formé, on est plus apte à comprendre le rôle et la mission qui nous attendent. Et ça, c'est extrêmement important et c'est très facilitateur, notamment quand on est directeur, de pouvoir être accompagné par une personne qui aura une maîtrise parfaite des fondamentaux, finalement. Alors parfaite, c'est peut-être pas parfait, mais en tous les cas, une bonne compréhension et une appréhension de sa mission. Et c'est d'autant plus important entre un directeur et un président, c'est que c'est un duo qui... est structurant, c'est un élément essentiel et structurant dans la gouvernance, en sachant qu'en plus les deux rôles sont différents, qu'ils sont complémentaires et qu'effectivement une personne qui va arriver en ayant été formée au préalable sera beaucoup plus performant rapidement, va devoir, même s'il a été formé, aussi intégrer un certain nombre d'informations, parce que quand on gère aussi une structure, il faut aussi assimiler l'ensemble des réglementations qui gravitent autour de ces activités-là, les appréhender, les comprendre pour pouvoir aussi adapter sa structure dans le paysage de demain, puisqu'en fait aussi l'un des rôles des responsables agricoles, c'est de se projeter et puis d'avoir une vision à plus ou moins moyen long terme. Et comme les enjeux sont énormes et effectivement nombreux, il faut être en capacité de les constater et puis d'être force proposition. Alors vous avez abordé cet aspect qui est
très très important, et pourtant je pense qu'on n'y pense jamais, en fait on ne l'a pas en tête, c'est le bon fonctionnement du tandem ou du duo président-directeur. Parce que dans l'esprit parfois de beaucoup de gens, on ne fait pas bien la différence finalement entre un président et un directeur. Voilà, on a un peu l'impression que c'est la même chose. Or, évidemment, ce n'est pas la même chose. Il y a une vraie complémentarité à avoir. Est-ce que le fait pour un responsable agricole d'être correctement formé permet justement un meilleur fonctionnement de ce tandem ? Alors moi, je suis convaincue que les deux formes sont essentielles pour la structure. Que quand le président est formé, a une bonne appréhension de sa mission, et eh bien il est plus facile, enfin le duo s'aligne et il représente de toutes les manières la structure. On est beaucoup plus performant, on est beaucoup plus efficace, et il faut pas oublier aussi que c'est un gain de temps, parce qu'en fait autour de nous les structures avancent, et qu'elles avancent vite, et elles n'attendent pas en fait que les présidents qui arrivent prennent leur mission. Donc en fait, rapidement, le président représente la structure et va être très vite convié à différentes réunions pour représenter cette structure-là. Et il va devoir très rapidement se positionner et évoquer en fait les orientations qu'il veut prendre, les positions qu'il va adopter. Donc c'est important pour moi en fait que, enfin c'est un gain de temps indéniable. Alors si on peut, on peut penser que la formation permet à un responsable agricole de développer une vision globale des choses, ce qui est toujours important. Vous l'avez bien expliqué, hein, c'est la nécessité d'avoir une vision globale de tout un écosystème. Est-ce qu'elle favorise également une capacité à travailler de manière globale, c'est-à-dire à aussi avoir en tête qu'on a à manager parfois des équipes, à faire voilà, de la gestion de ressources humaines aussi, c'est un peu ce genre de choses. Alors, sur cette partie-là, et au travers des formations qui sont proposées, grâce à l'implication d'experts et d'enseignants-chercheurs, déjà, je trouve que ça permet d'avoir un esprit d'ouverture indéniable. Ça, c'est le premier élément, qui permet aussi de comprendre que seules les choses peuvent paraître compliquées, qu'à plusieurs, on va trouver des solutions. Je suis aussi intimement convaincue, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu dans la direction des villages BICRF, convaincue par le concept de coopérer pour transformer, et que en fait c'est dans le dialogue et dans l'échange avec d'autres acteurs qui sont pas forcément de la même filière qu'on va trouver des solutions. Et finalement, si on prend l'agriculture qui doit faire face demain à différents enjeux qui sont pas des moindres, et je suis convaincue que l'agriculture a une grande place à trouver et peut-être une sorte de réponse à certaines solutions. Et bien ces solutions, on va les trouver en prenant le temps, et c'est bien ça la difficulté, c'est de trouver le temps, et on l'a dit, d'échanger avec d'autres acteurs. Donc il y a la formation, vous l'avez très bien dit, et il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure qu'il faut continuer aussi à se former dans le temps. C'est peut-être ça aussi qui n'est pas si simple, et de s'informer et d'échanger. Donc oui, la formation va permettre de démontrer cet intérêt-là, et il va falloir le poursuivre pour apporter des solutions, puisque en fait, les enjeux de demain vont tourner autour de l'environnement, autour de la transition énergétique et climatique, et les solutions, personne ne les a individuellement, et c'est les synergies qui vont permettre d'apporter et de répondre à ces différents défis, et dans une société qui est en pleine mutation. Donc création de synergie, voilà, la formation en fait ouvre vers cette porte-là, et voilà, il y a des structures comme le village qui sont aussi des lieux d'échange et de synergie. Le plus délicat peut-être là-dedans justement pour un responsable agricole, c'est d'arriver à comprendre que une décision qui peut aller dans le sens d'un dossier qu'il peut faire avancer aura forcément des impacts sur d'autres secteurs, et qu'il va falloir composer avec tous ces éléments. En fait, c'est principalement, enfin, alors il y a plusieurs rôles, mais composer, coopérer, c'est essentiel, et que même si on est intimement convaincu que sa position est la plus juste et la plus réaliste,
Il est important aussi, effectivement, de s'entendre et de se comprendre, parce que souvent, en fait, les grandes difficultés, elles arrivent dans des réunions où les gens ne s'entendent pas, et on en a vécu quelques-unes avec Christian de Serles. Et là, effectivement, on va vers des conflits qui sont compliqués, et après, il est difficile de revenir. Donc, avoir compris tous les mécanismes de communication, la capacité et la façon de s'entendre, de se comprendre, pour trouver les bons mots et pour pouvoir avancer sur une ligne directrice, est faite effectivement de compromis. Ça ne veut pas dire qu'on renie ses valeurs et ses convictions. C'est de faire un pas, les uns et les autres, pour trouver la solution la plus adaptée. Et effectivement, tout est extrêmement lié. Il y a plusieurs connexions et le monde de l'élevage, Dieu sait, est fait de beaucoup d'organisations aussi. Donc il faut apprendre à composer ensemble. C'est amusant d'ailleurs ce que vous dites. Ça a des résonances avec l'actualité nationale qu'on vit aujourd'hui. Mais bon, c'est autre chose. Mais bon, l'art du compromis, à mon avis, on n'a pas fini d'entendre parler. On va poursuivre avec vous, François-Étienne Mercier, pardon. Donc vous êtes en visio depuis la Meurthe-et-Moselle. Vous nous entendez toujours bien? Très très bien. Parfait. Jusqu'à une date récente, vous étiez impliqué au sein des JA nationaux, vous étiez en charge de l'installation, de la formation justement et de la transmission. Vous êtes exploitant céréalier en Meurthe-et-Moselle, vous exploitez 140 hectares en colza, blé, orge d'hiver et de printemps et tournesol. Alors la formation, on imagine que ça a été très utile pour vous parce que vous avez gravi aussi les échelons au sein de JA, mais vous êtes un ardent promoteur finalement de la formation des responsables agricoles. Totalement. En fait, on apprend très vite quand on s'investit chez jeunes agriculteurs qu'on a besoin de se mettre au niveau des interlocuteurs qu'on a. Comme le disait Christian en propos introductif, on a besoin de se former pour être au même niveau que le politique qu'on a en face de nous. Et plus on gravit les échelons, plus on a besoin de maîtriser justement les causes qu'on va défendre, et on a besoin de travailler, de faire des formations de lobbying, de prise de parole, pour que ce message passe mieux, soit argumenté, soit construit, pour que la délivrance de ce message passe le mieux possible, et puis qu'on soit le plus entendu possible. On s'aperçoit de ça en s'investissant chez Jeunes Agriculteurs, et on s'aperçoit aussi qu'on a besoin de se former à prendre du temps, parce que on a tous énormément de travail sur nos exploitations, et les deux intervenants qui étaient sur le plateau le disaient, Thibault le disait très bien, c'est compliqué de savoir que son exploitation ne tourne pas et à l'arrêt, ou que quelqu'un d'autre s'occupe de son exploitation pendant que nous partons. Et c'est important de pouvoir se former et de voir que c'est possible justement de s'absenter de son exploitation, que des outils ont été mis en place par la profession pour qu'on puisse s'absenter, et que le travail soit fait et soit bien fait aussi pour que on puisse être entièrement à ce qu'on fait, entièrement à nos réunions, entièrement à nos échanges, plutôt que toujours avoir une petite pensée inquiète pour nos exploitations qui sont sans nous. Alors, au sein de vos responsabilités dans JA National, lorsque vous êtes occupé notamment de la formation, il y a quelque chose qui vous semblait essentiel, qui vous semblait important, et vous avez travaillé, vous avez œuvré pour développer cela, c'était tout simplement établir un lien entre formation initiale et formation continue. Vous pouvez nous expliquer un petit peu, parce que je crois qu'au départ, on était plutôt anglais sur la formation initiale au sein de JA, c'est bien ça ? Oui, on a depuis très longtemps travaillé sur la formation initiale, agricole pour nos futurs chefs d'exploitation. Sauf que on le voit et tout le monde le constate, le métier change. On n'est plus le même agriculteur que la génération de mes parents ou que la génération de mes grands-parents. Et on a besoin de compléter cette formation initiale avec de la formation continue tout au long de notre carrière, parce qu'on est encore apprenti dans notre métier. Le temps change, les marchés se dérèglent et on a besoin d'évoluer dans ce contexte qui évolue. Donc on a besoin
en permanence de faire évoluer nos compétences. Et quand j'ai pris ma vice-présidence, un de mes premiers choix a été justement de rapprocher ces deux dossiers qui étaient séparés, distincts, un peu éloignés, qui étaient la formation initiale et la formation continue. Et quelque chose qu'on a commencé à mettre en place et qui va être pleinement abouti au sein de Jeunes Agriculteurs, c'est aussi des parcours de formation. Proposer des parcours de formation à nos nouveaux responsables agricoles, de faire le point avec eux sur quelles sont leurs compétences au moment où ils arrivent chez Jeunes Agriculteurs, quel est le parcours qu'ils ont envie d'avoir au sein de Jeunes Agriculteurs, quelles sont les compétences qu'ils auront besoin d'acquérir pour être un bon responsable professionnel, et de mettre en marche justement un parcours de formation où, sur le pas de temps qu'ils ont envie d'avoir, de pouvoir se former à être le meilleur possible dans leur représentation professionnelle et dans leur rôle de syndicaliste, de lobbyiste, parce que c'est ce qu'on est aussi, des lobbyistes, et ça prend du temps. Ça coûte aussi de l'argent. Il y a énormément de dispositifs qui permettent de financer justement ces formations, et on n'en a encore que trop peu conscience. Et du coup, voilà, c'était important pour moi de proposer à tout le réseau Jeunes Agriculteurs de mettre en place ces parcours de formation pour améliorer les compétences de nos responsables professionnels, et ce, pas que aussi pendant leur investissement chez Jeunes Agriculteurs, mais potentiellement de leur faire prendre goût à la formation et qu'ils puissent se former tout au long de leur carrière, parce qu'on arrive dans le métier d'agriculteur à un moment donné et on a besoin de se former tout au long de sa carrière pour évoluer en même temps que notre temps, et on a aussi besoin de se former avant de transmettre son exploitation, parce que son exploitation a potentiellement besoin de se transformer, d'évoluer un petit peu pour plaire à un successeur. Donc voilà, je pense que la formation, on en a besoin tout au long de sa carrière. Et avec une attention particulière portée à l'aspect pratique de ces formations. Parce que vous m'expliquiez que voilà, ce qui peut rebuter un petit peu dans le fait de se former, c'est l'impression que ça va être quelque chose de théorique, d'un petit peu magistral, d'un petit peu ennuyeux, il faut être clair. Or, voilà, vous avez insisté pour qu'on fasse évoluer ces formations sur des aspects plus pratiques, hein. Exactement. Le public agricole est un public qui potentiellement n'aime pas forcément les formations de type cours magistral où vous restez assis pendant 8 heures et vous écoutez un cours théorique. Par contre, quand on fait des formations avec des ateliers pratiques, des exercices, je pense Thibaut parlait de l'expression orale, s'entraîner à faire un discours, comment on apprend, c'est en ayant ce cours théorique, mais aussi en s'entraînant, en pratiquant. Comment est-ce qu'on peut gérer la construction d'un discours? C'est aussi en le faisant, en se l'appropriant, en s'entraînant. Et ça, je pense que le public agricole apprécie justement ce nouveau type, ces nouvelles formations qui sont aussi basées sur l'échange à plusieurs, sur l'exercice, sur la mise en situation, plutôt qu'un cours magistral comme on a eu pendant des années. Et c'est ça qui peut faire peur justement aux jeunes générations, c'est quand on leur dit « mais viens en formation, on va t'apprendre des choses », ils ont l'image d'eux dans une salle de classe à absorber un cours théorique qui n'est pas forcément une chose très plaisante. Et il faut casser justement cette image du cours théorique via la formation, parce que ce n'est pas ce qui se passe dans la plupart des formations, et encore moins celle que des livres jeunes agriculteurs, qu'ils soient jeunes agriculteurs nationaux ou même nos antennes régionales ou départementales. Je voulais revenir aussi avec vous sur une étude qui a été réalisée, je crois, par JA il y a quelques temps, mais qui était extrêmement intéressante sur le profil des gens qui faisaient le choix de se former, de s'investir dans des formations. En résumé, plus on est formé, plus on a envie de se former. C'est bien ça? Alors, c'est pas une étude de jeunes agriculteurs, mais c'est une étude de Vivea.
il faut rendre à César ce qui appartient à César. Mais effectivement, c'est ce qu'on observe dans les formations délivrées aux agriculteurs. Plus le niveau d'études des personnes est important, plus ils ont l'habitude de se former. Et une personne qui a réalisé une formation qui lui a apporté quelque chose a plus de facilité à se retourner vers la formation que quelqu'un qui a vécu une mauvaise expérience. Donc, c'est vraiment important de faire prendre conscience que la formation est une nécessité. Et je pense que les personnes qui font de longues études, et on a de plus en plus de personnes dans le milieu agricole qui font de longues études avant de s'installer, c'est plutôt une bonne chose, parce que c'est des personnes qui ont le goût d'apprendre, le goût d'évoluer, le goût de faire appel à la formation, et c'est des personnes qui seront les plus à même d'être ce qu'on défend chez Jeunes Agriculteurs, des véritables chefs d'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on est, contrairement à la génération de mes arrière-grands-parents qui étaient des producteurs. Ce qu'on leur demandait, c'était de produire. Aujourd'hui, on est des véritables chefs d'entreprise. Et c'est ce que je dis quand je vais dans les écoles. Une erreur technique sur une culture ou sur un animal, c'est pas grave, notre exploitation arrive à s'en remettre. Par contre, une erreur de gestion, là, peut mettre fin à notre activité. Et du coup, c'est très important de se former. Et je le rappelle, hein, se former, mais tout au long de sa carrière également. Alors, ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que ça a été évoqué plusieurs fois hein, depuis le début de cette matinée, c'est toujours la difficulté d'arriver à conjuguer son travail sur l'exploitation, tout simplement, et la nécessité de se former. Et on a très souvent le sentiment qu'on n'aura pas le temps. Or, vous avez constaté une chose, c'est que lorsque des jeunes agriculteurs ont fait le choix, malgré tout, de se former, ont fait cet effort-là, ils se sont rendus compte que finalement, la question du temps, elle était peut-être pas aussi impossible à surmonter. Exactement. Samuel le disait, c'est aussi faire comprendre à son entourage qu'on a besoin de se former et que c'est important de se former. Mais c'est sûr que quand je suis arrivé chez Jeunes Agriculteurs, je suis céréalier, je disais toujours de juillet à août et je prolongeais jusqu'à septembre. C'est très compliqué pour moi de me libérer parce qu'il y a les moissons, il y a les semis. Je joue mon exploitation, je joue mon année dans cette période-là. Et puis, il y a eu des moments où j'ai été obligé de m'absenter de mon exploitation. Et avec le temps, on apprend justement à organiser son absence sur l'exploitation. Je le rappelle, il y a des outils qui sont mis à la disposition des agriculteurs. Il y a le service de remplacement qui peut mettre des gens expérimentés sur nos exploitations pour faire le travail à notre place et qu'on puisse partir en toute confiance et l'esprit totalement libéré. Et je pense que la formation et l'absence des chefs d'exploitation sur leur exploitation permet justement une meilleure organisation du travail. Ce qui est compliqué un peu avec la vie de famille, parce que Samuel le disait très bien, on est absent la semaine parce que on est investi dans notre rôle de syndicaliste. Et le week-end, on est absent de notre vie de famille parce qu'on doit combler justement le travail qui a pris un peu de retard. Mais ça nous apprend vraiment à nous organiser et je pense que c'est une bonne chose. Et une fois que, comme moi, on prend sa retraite du mandat syndical, on s'aperçoit qu'en fait, on a énormément de temps parce qu'on a appris à gérer justement son temps. Et finalement, peu importe la période, même si c'est des périodes contraintes par le temps, on a la possibilité quand même d'organiser son temps de travail et de se libérer du temps à des moments où on pensait que c'était pas possible. Et la formation est vraiment très importante pour ça. François-Étienne Mercier, merci beaucoup. On va poursuivre avec Samuel Carré. Samuel Carré, vous êtes administrateur au sein de la coopérative d'insémination Géniatest. Vous êtes agriculteur dans le Doubs, à Déservillers. C'est pas très loin de Pontarlier, hein, je fais pas erreur. Vous êtes installé depuis 2002. C'est dans une ferme de 4 associés avec 1 million de litres de lait à compter à peu près hein, par an. Alors, ce qui était intéressant de voir avec vous, c'était d'une part le constat effectivement du besoin de se former, mais en même temps le fait qu'il n'y a peut-être pas forcément la formation que vous souhaitez en face. Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis administrateur. Enfin, bonjour à tous, excusez-moi. Je suis administrateur de Géniatest depuis une petite dizaine d'années. Et puis,
fort de mon engagement et puis de ma motivation, on nous a un petit peu sous-entendu à plusieurs que les responsabilités allaient nous être mises à disposition dans quelques années. On nous a dit, est-ce que vous vous sentez prêt ? Mais on se sent prêt, oui, on a la volonté, on a la passion, mais il nous manque peut-être la formation, comme on dit, valider des compétences. On avait besoin, on estime le besoin, on est 3-4 jeunes administrateurs à avoir ce besoin-là, ce besoin de valider nos compétences, d'éventuellement les améliorer. Et puis, ça a été pas mal dit au cours de la matinée, ce besoin d'apprendre à communiquer avec quelques personnes que ce soit nos administrateurs à titre au niveau de la COP, nos adhérents, puisqu'on est quand même une COP avec 3000 adhérents, donc 3000 fermes qui partagent notre travail. Et puis aussi notre personnel, puisqu'on a quand même des gens qui travaillent pour nous. Il faut apprendre à communiquer. Et puis je dirais communiquer, c'est aussi apprendre à écouter. Apprendre à écouter, ça a été dit, analyser, synthétiser. Et tout ça, on a besoin, puisqu'on n'a jamais été trop mis au diapason dans ce système-là, d'apprendre, de pouvoir apprendre à synthétiser, à analyser, répondre et être pertinent, être le plus juste possible au niveau de nos interventions. Et vous me disiez notamment répondre au bruit médiatique entre guillemets qu'on peut avoir, et notamment avec les réseaux sociaux. Voilà, ça aussi, ça implique savoir répondre. Quand vous m'avez contacté, je vous ai bien dit. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est quelque chose de plus en plus important. Voilà. Où d'un simple clic, une simple photo peut mettre à mal tout un amont de travail effectué auparavant. Donc, il faut être à même. Soit d'éteindre le feu, soit de répondre à juste titre pour pouvoir calmer tout ça. Quoi. Mais alors, de fait, vous n'avez pas trouvé aujourd'hui une formation qui vous semble apte à répondre à toutes ces attentes ? Alors en fait, c'est très récent, cette recherche de formation. Et puis du coup, on avait notre coopérative et avait contacté la Chambre régionale d'agriculture pour éventuellement trouver une formation. On a cherché à droite à gauche, et quand je vois ce qui s'est fait dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est vrai que ça me semble quelque chose qu'il faut répéter localement, puisque c'est mettre tous les intervenants de demain au niveau de l'agriculture autour d'une table pour éventuellement avoir des projets communs ou tout au moins échanger ensemble. Ça me semble une base très importante pour l'avenir. Alors là, vous êtes amené à prendre de plus en plus de responsabilités au sein de Géniatest, hein, parce que vous m'aviez expliqué effectivement différents étages dans le conseil d'administration. Pour prendre d'éventuelles futures fonctions, il faudra impérativement pour vous vous former sur des points bien précis. Oui, alors tout à fait. Je vais revenir encore un peu sur ce que j'ai déjà dit, mais ce qu'il nous faudra, il y a trois points qui me semblent importants aujourd'hui à progresser sur ces domaines-là, c'est, comme je l'ai dit, communiquer, valider nos compétences, mais aussi manager. Parce que manager, comme je vous l'ai dit aussi, c'est donc 3000 adhérents, mais c'est aussi 160 salariés au niveau de la coopérative. Et du coup, dans ma formation agricole, j'ai jamais appris à manager, à gérer tout du personnel comme ça. Donc il me semble important d'avoir cet aspect un petit peu manager, et puis aussi pouvoir se projeter sur l'avenir. C'est tous ces petits ensembles de formations qui me semblent importants. Indispensable, je dirais même, avant pouvoir même de se projeter dans d'éventuelles fonctions plus importantes. Et donc acquérir peut-être des moyens de temps en temps prendre du recul par rapport aux événements, réfléchir un petit peu à où on veut aller, à ce qu'on veut faire, c'est ça, hein ? Oui, voilà, tout à fait. Et puis être capable de toujours se remettre en question et définir un projet, puis parfois être capable de dévier un petit peu pour faire évoluer le projet. La société évolue tellement vite que peut-être aussi l'agriculture devra... Enfin, c'est pas peut-être, c'est une certitude. L'agriculture doit être capable d'évoluer au même rythme que la société, pouvoir envisager des changements pour s'adapter le plus possible à ce que la société nous demande. Alors, on va repartir en visio, mais un petit peu plus loin dans le sud. Maintenant, on va aller du côté de Rodez avec Dominique Barraud. Vous nous entendez, bonjour. Dominique ? Bonjour. Bonjour. Rebonjour. Alors, Dominique Barraud, vous, je ne sais pas si c'est nécessaire qu'on vous présente, mais je vais quand même le faire parce que vous avez... entre guillemets, pas mal de bouteilles dans les responsabilités agricoles, et pas que agricoles d'ailleurs, parce que vous avez été aussi longtemps élu local dans votre petite commune
près de Rodez, mais vous avez été ancien secrétaire général de la FNSEA, donc de 2005 à 2016. Vous êtes aujourd'hui agriculteur retraité, mais vous avez, donc c'est votre fille, je crois, qui a pris la suite sur une exploitation laitière en Aveyron, une exploitation donc d'une cinquantaine d'hectares, 60% d'herbe, les 40% restants se partageant entre céréales et maïs pour l'autonomie alimentaire. L'implication, alors que ce soit en tant qu'élu local, mais aussi en tant que responsable agricole, c'est quelque chose, vous, qui ne date pas d'hier. Hein, vos premiers, vous avez commencé à vous impliquer peut-être dans les années 70, si je ne fais pas erreur. Tout ce qu'on a dit depuis ce matin, ça doit quand même résonner pour vous. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez le sentiment que, entre le parcours qui a été le vôtre de responsable agricole, de responsable syndical, d'élu local aussi, et ce qui se fait aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui a été faite, selon vous ? Oui, bonjour à tout le monde et merci de m'avoir invité à partager vos travaux. Ça me fait plaisir. Je ne suis pas surpris qu'en Bourgogne-Franche-Comté, on se préoccupe de formation, tellement je connais de responsables dans cette région-là. Mais ça me fait plaisir qu'on continue à battre le fer de la formation. Ce matin, j'ai entendu beaucoup de choses intéressantes et surtout qui me confortent dans un certain nombre de convictions que j'ai pu avoir et conduire dans ma vie et puis dans ma vie d'agriculteur, de responsable agricole, parce que avant d'être responsable, il faut avoir des convictions. Moi, j'ai toujours été persuadé, et je me suis toujours dit, oui, on peut changer le cours des événements. Oui, l'agriculture, l'alimentation, l'espace sont des enjeux de toujours, sont des enjeux de société. Ça a été dit en introduction. Oui, on a une histoire. Depuis Gambetta, comme quoi, pour assurer l'alimentation, pour assurer aussi les équilibres politiques, on a besoin de s'appuyer sur le monde agricole. Je vous prends deux ou trois exemples. Gambetta, c'est le premier ministre de l'Agriculture. Le ministère de l'Agriculture ne date que de 1881. Et on était dans ces périodes-là en situation difficile, je ne veux pas refaire l'histoire, mais surtout au point de vue alimentaire, avec des crises et sanitaires, avec des risques dans les exploitations agricoles qu'on savait très mal gérer. Et Gambetta a dit, pour assurer l'alimentation du peuple, il faut parler avec des gens en sabot. Et puis, 60 ans plus tard, en 1946-47, Tanguy Prigent, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, a dit il faut reconstruire l'appareil alimentaire et on ne pourra pas le faire sans parler avec les responsables agricoles. Et puis sont venues les années Pisani. Donc, je cite ces trois périodes parce que ces trois périodes de l'histoire où on a eu un responsable politique, des gouvernements qui ont fait confiance à la capacité qu'ils avaient à porter un projet avec d'autres, avec les véritables interlocuteurs qui étaient les agriculteurs. Et donc, aujourd'hui, je me dis qu'il reviendra en France ou en Europe. Je pense que ce serait plutôt du niveau européen, mais avec de forts appuis nationaux. Je pense qu'il reviendra quelqu'un, un politique, un commissaire européen, qui se dira, il faut qu'on reparle avec les agriculteurs. Sur tous ces enjeux, vous avez beaucoup évoqué les enjeux environnementaux et les difficultés qu'on avait à parler. Le monde agricole a perdu de l'influence, et Christian de Serres le disait à l'introduction, parce qu'on a attaqué, au lieu d'essayer de porter des projets avec le monde agricole, on a mis un peu le monde agricole au banc des accusés.
Et donc, quand ce jour va revenir, où l'Europe, après quelques États, va vouloir réellement parler de souveraineté, il faudra pouvoir compter sur un monde agricole organisé. Et moi, j'ai eu cette chance, peut-être d'avoir des convictions qu'on pouvait changer le cours des événements, et j'ai eu la chance de pouvoir l'exercer du niveau local au niveau national. Tout à l'heure, vous disiez ma petite commune de Lue, j'ai eu l'opportunité parce qu'on est venu. Alors, certainement parce que j'avais un maire responsable agricole, qui était le président national de la Mutualité sociale agricole, André Lort, qui est venu me chercher pour participer à son conseil municipal, parce que quelques années auparavant, je m'étais préoccupé, avec quelques copains, de construire une association de jeunes sur la commune, structurer une association de jeunes pour s'occuper des loisirs, des fêtes locales, et ainsi de suite. Et puis, en tant qu'élu dans ma commune, 6000 habitants aujourd'hui, quand une quatre voies est venue traverser la commune, j'ai dit au directeur départemental de l'équipement, parce que je vous parle du siècle dernier, j'ai dit au directeur de l'équipement, j'ai dit, écoutez, vous voulez faire une quatre voies, assurez-moi qu'après le passage de la quatre voies, on aura mis tous les moyens nécessaires pour qu'il reste de l'agriculture dans cette commune qui est en train de se développer. Voilà. Donc, c'est la conviction que quand on a envie de faire des choses, on peut arriver à les faire à condition de bien poser les problèmes sur la table. Vous m'avez dit quelque chose lorsqu'on a préparé cette table ronde que je trouvais très très intéressant à creuser un petit peu, c'est que pour vous, se former, c'est rencontrer les gens qui vous permettent de démystifier l'impression que tout est très compliqué. Est-ce que, à la base, le problème, il n'est pas là? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on ne se pose pas tous autant qu'on est des barrières a priori, alors qu'il suffirait de peu de choses finalement pour parvenir à faire bouger les choses? Alors, c'est effectivement, à mes yeux, la première barrière à franchir. Quand on fait partie d'une structure municipale ou quand on fait partie d'un syndicat ou d'une coopérative, on a une charpente de collaborateurs. Et arriver à faire confiance à des collaborateurs, avoir un directeur, et j'ai entendu la directrice là tout à l'heure parler, et ça résonnait dans ma tête, arriver à avoir des collaborateurs à qui on peut faire confiance pour ne pas mélanger les rôles. Et je me permets une remarque en direction du jeune agriculteur qui vient de parler là, dernièrement, là, sur le jeune de Franche-Comté. Moi, je n'ai jamais voulu être manager d'hommes. Je m'entends, de collaborateurs. C'était le travail de la direction. C'était le travail de la direction. Et à mes yeux, la première chose qu'on m'a appris au cours des premières formations que j'ai pu faire, c'est de dire, entoure-toi bien, essaye de bien t'entourer, et une confiance, évidemment, ça se mesure. On met des critères, on met des rendez-vous, il y a des périodes où on se parle. Mais surtout ne pas mélanger les rôles. Quand j'étais secrétaire général de la FNSEA, je disais régulièrement au président de la FNSEA, ne devenez pas des présidents PDG. Et si votre directeur ou si votre collaborateur ne comprend pas ça, parlez-en à quelqu'un autour de vous et ne restez pas dans cette situation. Ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être faut-il admettre que deux personnes ne sont pas faites pour travailler ensemble. Mmh. Ça ne veut pas dire que l'un est bon et l'autre est mauvais. Ça veut dire qu'elles ne sont pas faites pour travailler ensemble et que peut-être faut-il ne pas travailler avec un collaborateur avec qui la confiance n'est pas totale. Voilà. Donc c'est effectivement quand on arrive à comprendre ça et à se donner les moyens de faire vivre ça,
qu'on démystifie la difficulté de faire avancer. Parce que ça éclaircit, quand on a une très bonne relation président-directeur, président-conseil d'administration, président-bureau, ça démystifie complètement les difficultés. Et on se concentre sur les moyens de faire avancer la cause qu'on défend, plutôt que de se dire qui sait si le directeur il a bien compris, qui sait si mon secrétaire général ou mon trésorier il fait bien son boulot. Voilà, cette notion de confiance, j'ai eu la chance de pouvoir la vivre pendant mes responsabilités, et il y a eu des moments qui n'étaient pas parfaits non plus. Hein. Voilà. Dominique Barrault, on va conclure cette table ronde. Simplement, ça m'intéressait peut-être d'avoir votre point de vue par rapport à tous les témoignages qu'on a pu avoir ce matin. Est-ce que finalement tout ça vous rend optimiste sur les capacités des agriculteurs à se former à un monde qu'on devine mouvant, compliqué, parfois hostile? Voilà. Est-ce que vous êtes optimiste là-dessus par rapport à ce qu'on a entendu ce matin? Alors, il y a rien de nouveau. Sur le fait que le monde soit agité. Jamais, jamais, la vie ne s'est arrêtée autour de l'agriculture. Là où on n'est pas, d'autres font. La vie est ainsi faite, elle va pas s'arrêter. Si je suis confiant, évidemment que je suis confiant sur l'avenir de l'agriculture, la première raison, c'est que ce genre d'événements se tiennent. Ça veut dire que les responsables à leur place ont bien compris de l'intérêt de mobiliser, de se reposer les bonnes questions. C'est pas parce qu'on n'y est pas arrivé une fois que c'est pas possible. C'est quand on a oublié de remettre sur le métier que ça devient impossible. Donc, ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que personne n'aurait pu dire il y a un an en arrière, et je ne parle pas de la période sanitaire avec la Covid, personne n'aurait pu imaginer qu'on réouvre les livres d'histoire. Et pourtant, ce qui se passe à l'est de l'Europe nous rappelle, ou doit rappeler aux élus, que l'agriculture, la notion de souveraineté, oui, les échanges européens, intra-européens, entre l'Europe et les autres continents sont importants. On avait compté un peu seulement sur les échanges commerciaux pour faire avancer la démocratie. On s'aperçoit que ce n'est pas aussi simple que ça. Et que donc, à partir de là, la notion de souveraineté doit être reprise de manière solide, sérieuse. Pas que pour l'agriculture d'ailleurs. Et donc, quand je vois qu'il y a encore des jeunes qui s'investissent dans leur profession, au-delà de leur exploitation, on pourrait passer sa journée à dire que l'évolution sociale de l'agriculture fera que ce sera plus possible. N'attendons pas qu'il y ait autant de responsables aujourd'hui qu'en 1960. Mais attendons que les responsables d'aujourd'hui, moins nombreux, se forment tout autant que l'ont fait leurs aînés pour dire « je vais être un interlocuteur intelligent en face de la part de ministres de gouvernement qui sont intelligents, voilà, et qui comprendront mes problèmes, et qui, moi, serai capable de faire, de sentir comment je gagne en influence. » Voilà, le sujet aujourd'hui, c'est que l'agriculture a perdu de l'influence par les crises qu'évoquait tout à l'heure Christian de Serres, ou par les dénonciations qu'évoquait Christian ou Stéphane Rousseau d'ailleurs. Et quand les politiques remettront la notion de souveraineté sérieusement sur la table, moi je suis confiant pour qu'il y ait et on l'a vu, on en a vu quelques-uns ce matin, des responsables qui seront jouer le match avec eux. Voilà. Il faut être seulement capable d'admettre que l'agriculture est une solution, une partie de la solution sur la notion de souveraineté, et qu'il faut avoir un véritable projet avec elle.
Merci beaucoup Dominique Barreau. On vous remercie vraiment d'avoir pris tout ce temps pour être avec nous, même à distance. On est parvenu au terme finalement de cette table ronde. Alors on va se prendre quelques minutes, peut-être c'est pareil, pour prendre des questions ou des remarques. Et puis je n'oublie pas aussi qu'on a une ou deux petites questions qui nous sont arrivées en ligne. Monsieur, on va vous amener le micro. Oui, bonjour. Donc Hervé Delacroix, président des CUMA Bourgogne-Franche-Comté, de la Fédération régionale. Oui, donc voilà, nous, au niveau de la fédération, la formation est une priorité, bien sûr. Par contre, pour moi aussi, parce que en tant que jeune agriculteur, j'avais suivi la formation de l'école de responsable, l'avenir formation, ça devait être dans les années 92. J'en ai un excellent souvenir. Je ne sais pas si c'est toujours à peu près la même formule, mais nous naviguions sur différents secteurs de la région. Et c'était conclu cette formation par un voyage d'études qu'on avait fait donc plutôt sur l'automne, hein, qui était en plus qu'on avait fait en Roumanie. Donc sur une dizaine de jours, on avait réussi à rattraper pas mal de gens extérieurs à la formation. Donc ça avait eu un bon aura à l'époque. Donc voilà, donc la formation, bien sûr, pour moi, ça reste une priorité. Et au niveau des CUMA, on fait un distinguo entre deux types de formations. On a les formations qu'on fait régulièrement par nos animateurs ou par des agents extérieurs à nos responsables de CUMA, donc qui restent des formations qui sont, on va dire, de pratique, de la vie de tous les jours dans le réseau. Par contre, en ce qui concerne les formations, pour les responsables, entre autres, du conseil d'administration du réseau, on peut dire qu'on n'a pas grand-chose à proposer. Donc nous, on serait bien partant de trouver des solutions à proposer, peut-être avec une unité d'OPA. Pour pouvoir former nos administrateurs, on va essayer de s'engager à trouver des candidats, ce qui n'est pas forcément aisé, parce qu'on a déjà du mal à recruter des administrateurs en nombre suffisant. Mais voilà, je pense que si on veut mobiliser des gens dans nos conseils d'administration, il faut que leur donner l'envie par l'intermédiaire de la formation. Et si on arrive à trouver une solution à proposer, genre une formation comme renfort ou de ce type-là, je pense que ça serait la bienvenue, en tout cas pour ce domaine-là. Le message est passé. Une autre question, oui ? Merci. Oui, moi je voulais revenir, un peu comme... la FRCUMA, on va dire comme ça. Enfin, c'est vrai que nous aussi, au sein de la FRSE, on a fait aussi, beaucoup, une grande majorité sont issus quand même des rangs des jeunes agriculteurs, donc en ayant suivi les différentes formations. Mais on s'est aussi posé lors du dernier séminaire cette volonté de formation. Moi, ce que je retiens justement après les différentes interventions, et ce qui me paraît très important, et j'appuie les propos de Samuel, c'est d'avoir une formation qui regroupe Inter-OPA au niveau régional. Une formation qui soit collective, et surtout par rapport à l'avenir, qui crée du lien entre les OPA. Parce qu'on s'aperçoit que plus on va se croiser, comme on peut se croiser aujourd'hui en ayant des différentes présidents, différentes casquettes venant de différentes OPA, plus on est amené à se croiser, plus on est amené à échanger, plus on va pouvoir travailler collectivement dans l'intérêt de la profession agricole et pour l'ensemble de nos agriculteurs de la région, si on prend l'exemple Bourgogne-Franche-Comté. Donc pour moi, c'est vrai que c'est un cap où il faut qu'on développe pour l'avenir dans les différentes années. Alors sans dénigrer, bien sûr, les formations qui existent. Hein. Je tiens à souligner, on a eu trois exemples importants. On voit aussi le résultat par rapport. Mais vous avez évoqué une formation continue. Ça peut être aussi sous cette forme-là qu'on peut avoir différents stagiaires. Et la question qui me paraît quand même importante aujourd'hui, c'est tous ceux qui sont dans la salle ou à l'écoute, on est tous des personnes qui sont convaincues de la formation de responsables, etc. Mais comment on va chercher les futurs responsables qui sont dans les exploitations, de se dire entre nous,
prendre du temps, c'est assez facile, on arrive à s'organiser. Moi, je suis convaincu des propos qui ont été dits tout à l'heure et par Pierre et, par François Étienne. Je l'ai vécu également comme toi. Au début, c'est impossible qu'on puisse gagner du temps ou optimiser sur l'exploitation. Puis on s'aperçoit qu'en fait, si, et c'est le cas. Après, je terminerai juste sur le fait aussi qu'il va falloir, et c'est dommage que notre élu régional soit parti, parce qu'il va falloir aussi qu'on accompagne. Alors, je ne vais pas tourner tout de suite sur le côté financier, mais derrière, on a parlé tout à l'heure, il y a eu le service de remplacement qui a été cité. On a aussi les RER qui se développent pas mal au sein des départements et de la région. Donc, ressources emploi rural, faciliter l'engagement, c'est aussi faciliter le remplacement sur nos exploitations. Partir la tête libre, comme ça a été dit tout à l'heure, est bien plus facile. Et d'avoir des fois peut-être un petit soutien financier, que ce soit pour la région, les départements, etc., peut aussi apporter un soutien supplémentaire. Voilà, je ne vais pas être plus long. Ah, on avait... Voilà. On va venir vers vous après, monsieur. Ah oui, pardon. Oui, merci. Oui, je voulais, Sylvain Marmier, là, je voulais faire un petit clin d'œil à Dominique Barrault, avec qui on a eu l'occasion souvent d'échanger il y a maintenant quelques années. Mais si je lui fais un clin d'œil, c'est parce que Dominique avait compris, au-delà de la formation, la nécessité de partager les responsabilités. J'ai eu la chance de monter à Euromontana parce que Dominique m'a dit un jour, écoute Sylvain, si on veut défendre la montagne, il faut qu'on démultiplie nos capacités d'intervention. Et tu vas aller bosser un peu à Bruxelles puisque tu étais au CEJA et tu vas continuer à t'investir un peu. Et ça, moi, ça a été d'abord une très très bonne formation parce que après le CEJA, aller intégrer Euromontana, c'était continuer mes engagements européens et c'était important. Mais ça permettait d'avoir aussi un groupe plus solide au niveau national pour voilà défendre nos positions et travailler ensemble. Ce qui n'est pas tout le temps vrai aujourd'hui dans les responsabilités nationales. Certains ont plutôt tendance à capter les fonctions que de les partager. Et je trouve que si on veut être collectivement efficace, il faut savoir vraiment faire ça. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que bon, Nicolas Sauré est parti. La présidente a tiré par la manche le président de la Chambre régionale en lui disant « Écoutez, j'aimerais bien qu'on travaille un peu sur la prospective ». Dans notre région, que sera l'agriculture de demain, quelle tête elle aura. Je pense que quand on parle de formation continue, mettre quelques jeunes responsables dans la réflexion dès maintenant pour qu'ils partagent avec des élus plus expérimentés et plus aguerris ce que sera les réflexions sur ce que sera l'agriculture de demain, je pense que ça fait aussi partie des moyens qui sont utiles et intéressants en termes de formation continue. Voilà, tout simplement ce que je voulais dire. Et puis après, moi, je pense que, objectivement, quand j'entends ce qui s'est dit ce matin, je pense qu'on peut résolument espérer qu'on puisse regrouper un certain nombre d'OPA pour construire une formation de bon niveau à échéance de quelques mois pour commencer quelque chose de sympathique et d'efficace. Voilà. Alors, on avait encore une question dans la salle, et puis je crois Stéphane que François-Étienne Mercier voulait également intervenir. On va vous donner la parole après, François-Étienne. Oui, bonjour, Stéphane Ménicaud, élu à la Chambre d'agriculture de la Haute-Saône. Alors, plutôt deux remarques. Il faut qu'on ait bien conscience que nos entreprises ou coopératives sont de plus en plus grandes. On a également tendance à éloigner les centres de décision de nos électeurs. Donc il faut vraiment qu'on garde à l'esprit dans nos formations de bien leur transmettre à notre base électorale et à nos adhérents. Je pense que c'est quelque chose qui est important et qu'il faut qu'on prenne en compte pour la suite. Sinon on risque de perdre vraiment ce lien fort qui fait qu'on était des élus de territoire. C'est la première des choses. La deuxième, on a parlé de management. Et je ne pense pas qu'on a managé les équipes dans les OPA ou dans nos responsabilités. Par contre, on a managé nos exploitations. Et nos exploitations évoluent énormément. Et notre formation initiale est très peu portée sur ça. Donc je pense que former les responsables agricoles demain, c'est aussi les former sur leur exploitation, à savoir déléguer et manager leur exploitation pour sortir de leur exploitation. Et ça, aujourd'hui, je ne sais pas si les formations le proposent. Et c'est important. Merci à vous.
Est-ce que je peux prendre la parole? Allez-y, allez-y, je vous en prie. Anne Gontier, élue chambre départementale de Saône-et-Loire, et j'étais par le passé au niveau régional, commission enseignement au niveau régional et national. Alors, au niveau du département, nous avons, enfin, j'ai créé un groupe qui s'appelait Synergie 71, où chaque OPA du département, il y en avait à peu près une dizaine, CUMA, service de remplacement, etc., ont mis deux personnes pour se former. Alors, la première phase, c'était avec l'IFOCAP. Quelqu'un de l'IFOCAP est venu dans notre département. Nous sommes montés à Paris pendant 3 jours pour visiter au niveau national ce qui se passait et rencontrer des personnes au niveau national. Nous sommes redescendus au niveau de la région, rencontrer nos responsables régionaux. Et ensuite, nous sommes allés rencontrer nos responsables départementaux. C'est une formation qui s'est passée sur une année. Elle s'est répétée 2 fois. Bon, après, moi, j'ai fait d'autres choses, je suis partie. Bon, tout ça, je veux dire 2 choses à propos de ça. C'était extrêmement formateur. Que quand les OPA veulent bien, au niveau du département, c'est peut-être un peu plus facile qu'au niveau de la région. C'était possible parce que les gens se connaissaient, et aussi c'était possible parce que nous avions un service de remplacement qui était extrêmement présent. Présent dans tout le département, et ça c'est important de le dire. Après, bon, je n'ai pas besoin de le redire, mais je le redis quand même, quand les gens se connaissent, c'est extrêmement facile après de construire des projets. Et aujourd'hui, ceux qui ont fait Synergie 71, je peux vous dire qu'ils sont aux manettes, qu'ils se connaissent, qu'ils se parlent et qu'ils communiquent. Je réponds à mon voisin d'à côté, puisque je suis présidente d'un lycée agricole de Fontaine, Sud-Bourgogne, actuellement, depuis un certain nombre d'années. Et c'est vrai qu'en écoutant... Alors, je suis contente d'être venue ici, parce que je me rends compte que pour la formation initiale, on a, nous, en tant que président, on a vraiment une vraie place à tenir pour la future formation de nos jeunes et des enseignants. Il faut qu'on leur dise que le management fait partie aujourd'hui du savoir apprendre pour qu'ils puissent savoir faire, mais qu'il faut aussi qu'on leur apprenne le savoir être. Notre place est importante où que nous soyons, et il faut qu'on continue d'œuvrer, parce que ces jeunes-là, il ne faut pas qu'on les laisse partir dans la nature, il faut qu'on leur explique. Mais les enseignants, il faut qu'on les mette au parfum aussi, parce que les enseignants, ils ont tendance à toujours savoir tout par cœur et à savoir faire. Il n'y en a peut-être pas beaucoup dans la salle, j'espère qu'il n'y en a pas trop, mais je le dis tel que je pense et tel que je le pratique quand même. Les enseignants, ils ont la science infuse, donc quand on veut leur apprendre des trucs, c'est un peu compliqué, mais je ne désespère pas. Merci à vous. On va tout de suite laisser la parole à François-Étienne Mercier, pardon, qui nous l'avait demandé tout à l'heure. On vous écoute, François-Étienne. Merci. Je voulais rappuyer quelque chose qui a été un peu dit. C'est important quand on fait de la formation de ne pas faire que de l'entre-soi. Et par l'entre-soi, j'entends de la même OPA. C'est important de s'ouvrir, plusieurs l'ont dit, de se mettre d'accord entre OPA pour faire une formation commune, mais aussi ne pas faire de l'entre-soi qu'entre personnes du même département, qu'entre personnes de la même région. Et de temps en temps, faire des formations qui sont ouvertes au plus grand nombre pour aussi découvrir des solutions qui existent dans d'autres structures, dans d'autres régions. Et ça nous permet aussi d'avoir un réseau. Et ça, je pense que c'est très important de pouvoir faire des formations entre différentes structures et entre différentes personnes qui ne sont pas de la même région. Ça nous permet de créer notre réseau. Et dans le monde agricole, je pense que c'est important de développer son réseau. Et le dernier point que je voulais remettre en lumière, c'est que on parle de formation. Il ne faut pas s'arrêter qu'aux seules formations qui aujourd'hui sont créées. Ça, je pense que c'est important de le dire, de le redire et de le rabâcher. On peut créer des formations. Et le but d'une formation, justement, c'est de parler à ses stagiaires, de parler aux personnes qui vont faire cette formation. Et si on a une commande précise de la part d'un groupe d'OPA ou de la part d'une structure, on peut créer une formation de toutes pièces. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est une grande force de la plupart de nos organismes de formation, c'est qu'on peut répondre
à une demande et on peut créer une formation plutôt que d'adapter une formation qui existe à une demande. Et ça peut rassurer aussi les personnes qui souhaiteraient envoyer du monde en formation. Merci beaucoup. On va devoir conclure. Alors, je crois qu'il y avait une question de Stéphane Rousseau, et puis après Samuel Legrand, et après on conclura. Je vous en prie. Non, mais c'est plus une remarque et une réponse à des questionnements qui sous-tendent un peu tous les débats et qui font que finalement la réussite de la démarche repose sur la capacité à rassembler l'ensemble des organisations de la territoire au-delà de leurs intérêts respectifs sur un socle commun de formation. Et je pense que le premier sujet, c'est déjà de leur en parler, c'est d'aller au-devant des autres pour présenter le projet. Un certain nombre d'organisations, enfin, il y a déjà dans cette salle une grande diversité d'organisations, mais peut-être aller voir celles qui ne sont pas là, et puis insister sur le fait que les deux sont complémentaires. C'est-à-dire qu'il y a, certes, il y a évidemment besoin dans les organisations de développer des formations spécifiques, parce que selon qu'on soit à la MSA, dans une coopérative, au Crédit Agricole ou dans le syndicalisme, il y a des compétences spécifiques sur lesquelles il y a des besoins de formation. Mais je pense aussi que c'est faire passer l'idée qu'il y a besoin d'avoir des responsables sur un territoire qui partagent une vision globale des enjeux agricoles. Parce que finalement, tout le monde concourt au même objectif. Chacun dans son domaine cherche à mettre en commun des moyens, à la fois des moyens humains, des moyens financiers, pour apporter, chacun dans son domaine, un mieux-être aux agriculteurs, régler des problèmes qui se posent aux agriculteurs, mais chacun dans un domaine de compétences différents. Et je pense que, enfin moi je suis un peu effaré de voir le temps qu'on a pu perdre sur des désaccords, sur des hostilités, enfin des débats stériles, notamment sur la loi Egalim, entre parfois le syndicalisme et la coopération agricole, sur la MRC aujourd'hui, sur l'assurance, parfois entre les assureurs et le syndicalisme. Enfin, je pense que ces questions-là se poseraient beaucoup moins si à un moment donné, à la fois les gens partageaient une vision commune, en tout cas avec cette discussion, avec ce débat sur une vision commune de l'agriculture et puis d'un territoire, parce que la question c'est aussi celle du territoire, parce que beaucoup d'organisations économiques se sont développées au gré des circonstances sur des territoires qui ne sont pas nécessairement toujours des territoires de projet. On n'échappe pas quand même à un territoire qui est un territoire administratif, parfois historique, culturel, comme peut l'être aujourd'hui la Bourgogne-Franche-Comté. Et il est important que les hommes qui vont agir au service de ce territoire, à un moment donné, se rassemblent au-delà d'autres territoires que leurs organisations, vers lesquelles leurs organisations respectives peuvent les entraîner. Et puis dernière remarque, on en a assez peu parlé, mais dans la formation aussi des dirigeants et des responsables, il ne faut pas perdre de vue la formation de nos cadres salariés, de nos cadres dirigeants dans nos organisations. Et que cela, on doit aussi, sur ces questions de valeurs partagées, d'engagement, de responsabilité, c'est aussi important et d'y réfléchir et de savoir, à un moment donné, de se poser la question si elle doit avoir lieu séparément ou aussi en partage avec les élus, avec les agriculteurs. Parfait, merci beaucoup Samuel Legrand. Une dernière remarque peut-être, et puis on va conclure la table ronde. Non, c'est sur le recrutement. C'est vrai que ça fait peur d'aller recruter, mais je pense que la région est grande, et on parle de sessions de 10 à 15 personnes par an, je veux dire. Il y a un moment, la limitation des places aussi, ça fait rêver, hein. C'est quand on a du vin à vendre à foison, on le vend moins quand il y en a moins. Donc de dire, ben voilà, cette année vous aurez 3 places, et il faut mettre un peu de compétition. Et puis à la recommandation derrière, ben nous on est aussi là pour partager. C'est pour ça que ben, personnellement j'étais là aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont plus besoin de formation, hein. Christian Desserts, je pense que c'est un peu derrière lui, hein. Mais voilà. Quoique, on peut toujours améliorer. Mais faut pas se faire une peur avec le recrutement. Je pense que on est que sur 15. Allez, je dis un nombre, mais on est que sur 15 personnes par an. Les présidents des différentes EPA, ils les ont. Il l'a dit, les poulains ils sont dans l'écurie, donc faut pas se faire peur avec ça, et derrière mettre les moyens avec un peu de service de remplacement, un peu d'accompagnement aussi psychologique, de dire ça va bien se passer, et je pense que derrière c'est une belle formation. Et puis il y a certes des choses à inventer, mais la base elle est là, hein. On est à l'école, Agriact est là, donc il y a peut-être 2-3 trucs à améliorer, mais faut y aller, hein. Voilà.
Merci beaucoup, ce sera donc le mot de conclusion. Je vous propose d'applaudir tous les intervenants qu'on a eus au cours de cette matinée. Et merci à ceux qui étaient en visio également, c'est très gentil d'être resté avec nous pendant toute la matinée, on vous remercie chaleureusement. Et puis je crois qu'il y a un temps d'échange éventuellement qui est prévu, ou en tout cas un temps un peu convivial à l'issue de cette matinée. Merci beaucoup, en tout cas on a été un peu long, hein, je suis désolé, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Voilà, merci à vous et puis à une prochaine fois sans doute, parce qu'à mon avis on n'en restera pas là sur ce sujet.